Ben voilà, on va pouvoir commencer. Alors, première chose, salut à tous et dites-moi s'il y a des problèmes de son ou pas, ou si vous m'entendez bien, ça se passe bien. Donc, je regarde sur le chat, normalement c'est à peu près immédiat, n'hésitez pas. Normalement c'est bon, je crois. Hein. 5 sur 5 me dit Spacecraft, ça c'est bien sympa. Parfait, chers amis. Alors, euh, je ne sais pas si vous avez bien compris, mais aujourd'hui on va euh, reprendre. Le live qu'on avait fait la dernière fois sur le euh, TDD en PHP. Alors pour ceux qui l'ont pas vu, bah, n'allez pas tout de suite ou allez-y maintenant. De toute façon, ne vous inquiétez pas, ce direct-là sera rediffusé, donc vous pourrez le revoir hein, plus tard si vous avez envie. Donc ça sera rediffusé. Si vous voulez aller voir le tout premier direct. Mais vous inquiétez pas, je vais refaire un point sur ce qu'on a fait dans la dernière émission pour que ceux qui sont nouveaux ben, soient pas complètement paumés. Et donc ceux qui veulent aller voir euh, ben, l'ancien du coup euh, l'ancien live qu'on avait fait, ben, vous pouvez aller le voir. Il est dans la description. Et quand ce live sera rediffusé, vous aurez une fiche. Mais non, mais du coup c'est là. Voilà, j'ai toujours du mal. C'est là. Il euh, y aura une fiche qui va vous donner le lien vers l'ancienne émission. Alors j'espère que tout le monde va bien. Bonjour à tous. Hein. Euh, normalement, il n'y a pas de latence, hein. normalement, il y a vraiment 3-4 secondes maxi, hein. donc vous inquiétez pas, vous pouvez me parler sur le chat, je vous vois en temps réel. Salut à toi Fred, euh, salut à Nice, Guillaume, Surfeur des temps, euh, Madaliou, Papi Champi, tout ça, vraiment très heureux que vous soyez avec moi ici, et donc je vais vous refaire le topo sur la dernière émission qu'on a fait, histoire que pour ceux qui sont nouveaux, en tout cas, ben, vous sachiez à peu près qu'est-ce qui s'est euh, passé. Alors où est-ce qu'on en est Voyons ça. Ok, on est là. Donc je vous ai fait quand même un petit parce que voilà, dire on est pro ou on n'est pas les gars. Je vous ai fait un petit entre guillemets une petite présentation pour qu'on revoie un peu tous les concepts par lesquels on était passé. Alors, est-ce que je vais réussir à faire marcher ça Donc aujourd'hui, deuxième épisode. On va commencer à travailler réellement sur le TDD. On va avancer, entre guillemets. Et en fait, mon but dans cette série d'émissions, c'est de partir d'un code un peu pourri qu'on a fait et de, de se demander comment est-ce qu'on pourrait le rendre testable. Et comment est-ce qu'on pourrait donc du coup aller vers un code de plus en plus testé Et donc dans l'idéal, vous allez voir que au fur et à mesure qu'on va travailler sur le son, au fur et à mesure euh, sur le son, pardon, excusez-moi. Du coup, j'ai vu Mathieu qui me dit au top le son, donc je dis le son. Mais au fur et à mesure qu'on va travailler sur notre code pour essayer de le rendre de plus en plus testable, on va faire émerger des bonnes pratiques. Alors, en gros, je vous explique. Euh, souvent, je vais, moi, je fais pareil avec mes étudiants hein, parce qu'on n'a pas le temps. Je vais enseigner des bonnes pratiques. D'accord, je vais enseigner des bonnes pratiques et je vais leur dire, bah, faites ça parce que ça fera, ça, ça sera que votre code sera mieux, enfin ça rendra votre code mieux, ça rendra votre code plus testable. Donc voilà, euh, faites, euh, suivez euh, les principes solides, euh, voilà, euh, suivez euh, l'inversion de dépendance, etc. Mais du coup, j'enseigne les bonnes pratiques en disant ça vous aidera à tester votre code et les étudiants comprennent pas forcément. Alors que là, on fait l'inverse. Là, on code, on va être confronté à des problèmes et on va se demander, ok. Euh, comment ce qu'on peut faire pour éviter ce problème et avec la résolution du coup du problème, on va faire émerger la bonne pratique. Alors pour l'instant, on a déjà fait émerger un certain nombre de bonnes pratiques. Donc juste voilà, qu'est-ce qu'on va foutre aujourd'hui Donc aujourd'hui, on va revoir le TDD, on va revoir qu'est-ce que c'est pour les nouveaux quand même. Hein, au cas où, on va revoir qu'est-ce que c'est que le TDD, c'est quoi les lois, euh, les lois des TDD. Euh, on va ensuite reprendre tout ce qu'on avait fait la dernière fois. On va rediscuter de tout ce qu'on avait fait la dernière fois. Et on va enfin reprendre le live coding sur notre fameux projet Twitter dont vous pourrez euh, retrouver le code source sur GitHub dans la description de la vidéo si jamais vous voulez le télécharger pour le regarder un peu. Mais je vais vous refaire un petit tour du propriétaire. Et bien sûr, à la fin de cette session, je créerai une nouvelle branche que je pourrai aussi mettre sur GitHub pour que vous puissiez récupérer le code dans l'état où il est à la fin de cette session-là. Alors tout d'abord... Le point de départ de toute cette, de toute cette série, c'est quoi euh, Tiens, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire euh, Graven, le, donc le, le formateur, hein, Graven, le, le jeune homme tout à fait beau gosse qui euh, tient la chaîne Graven Development sur, euh, sur YouTube. Il organise une conférence qui s'appelle la Sync Donc la Conf. Vous pourrez trouver le compte Twitter. Vous enfin, suivez Graven et vous irez voir. Vous allez voir que euh, y a une conférence qui aura lieu les 21 et 22. Mais c'est des conférences en ligne complètement gratuites. Et euh, vous pourrez du coup euh, non seulement ben, y participer, mais si certains d'entre vous ont même envie de venir présenter un sujet, n'hésitez pas à le contacter. Euh, et du coup, sachez que je serai donc en conférence pour faire un peu la même chose que ce que je fais ici en des heures et des heures. Sauf que là-bas, je le ferai en une demi-heure. C'est-à-dire que je raconterai un peu comment est-ce qu'on peut rendre le code un peu plus testable. Et euh, du coup, enfin, avec ma modeste contribution, ça sera le mardi 22 à 11 h du matin. N'hésitez pas à vous renseigner sur cette, euh, cet événement où il y aura plein de speakers, de, de conférenciers. Euh, il y aura plein de conférences assez intéressantes. Alors, je reprends ici où j'en suis. J'en suis au moment où j'estime que j'aimerais bien avoir un code de qualité. Et la qualité, ça passe. En partie, pas seulement, mais en grande partie, par le fait que notre code soit testable. Alors, pourquoi il faut que le code y soit testé? Ben parce qu'en fait, quand vous modifiez quelque chose, quand vous euh, amenez des évolutions sur le site que vous êtes en train de créer pour votre client et tout ça, vous aimez bien avoir tout de suite, en temps réel, en lançant une série de tests automatisés, vous aimez bien avoir tout de suite, ben, le retour comme quoi, ben, ce que tu viens de changer, ça n'a rien cassé à ce qui marchait déjà avant. C'est déjà pas mal. On ne dit pas que c'est parfait ce que tu as fait, mais en tout cas, tu n'as rien pété. Souvent, quand on fait un développement d'accord, d'une application, quand on va aller modifier une, une fonction quelque part, quand on va aller modifier une classe à, à un autre endroit, on ne sait pas en fait réellement quelles sont les répercussions. Peut-être que sur la page sur laquelle je suis en train de travailler actuellement sur mon application, c'est bien, ça fonctionne bien, mais peut-être qu'en fait sur une toute autre page de l'application, qui se servait de la classe que je viens de modifier, je suis pas allé le vérifier mais peut-être que j'ai tout pété. Donc l'avantage d'avoir des tests automatisés qu'on peut lancer à volonté quand on le veut, c'est que en fait, on modifie quelque chose, on lance un test et on voit tout de suite si on a pété quelque chose ou pas. Donc on est beaucoup plus serein, donc on travaille dans voilà la sérénité quoi, on est tranquille, on travaille tranquillement, on rentre pas chez soi le soir en disant mon dieu, est-ce que j'ai pété quelque chose ou pas Est-ce que dans trois semaines le client va me rappeler en me disant ben ce que tu as fait la dernière fois, ça a pété tout le site et toute la compta Ben là pour le coup, on est tranquille. Donc la qualité du code, ça passe par des tests automatisés. Mais pour que notre code puisse être testé, encore faut-il qu'on écrive un code qui soit facile à tester. Vous comprenez la logique. Hein? Si je veux qu'un code soit testé, bah, il faut que le code il soit testable. Et je, je ne peux pas tester un code qui est mal foutu et qui n'est pas testable. Euh, alors du coup, le TDD, la pratique du TDD va vous forcer à faire en sorte que votre code soit testable forcément. Alors pour quelle raison Évidemment, le TDD en gros, c'est le fait d'écrire des tests avant même d'écrire du code. Or, si on écrit les tests avant d'écrire le code, ça veut bien dire que on va écrire notre code dans le but qu'il réponde à un test qui a été écrit. Donc forcément le code qu'on va écrire va être testable. OK Vous voyez l'idée Si j'écris le code, si j'écris le test avant d'écrire le code, forcément le but de mon code, ça va être de répondre à ce test. Donc forcément il sera testable. L'avantage aussi du TDD, c'est que vous allez éviter d'avoir des trop gros trous dans les tests. C'est-à-dire que si vous dites tout mon projet, je le fais en TDD, comme en TDD, vous n'avez pas le droit d'écrire du code tant que vous n'avez pas écrit un test, tout le code de votre projet est forcément testé, puisque vous n'aviez pas eu le droit d'écrire du code sans avoir écrit le test qui va avec. Salut Marco et bienvenue à toi. Alors, continuons ici sur notre petite présentation. Alors, les trois règles du TDD. Bon, celles-là, vous les connaissez déjà, mais je refais quand même un petit point. Alors, tout d'abord, on n'a pas le droit d'écrire un code tant qu'on n'a pas écrit un test qui va valider que le code qu'on va écrire, ben, euh, va dans le bon sens, entre guillemets. En tout cas, répond à un besoin réel, répond à une fonctionnalité dont on a besoin, répond à une fonctionnalité que le client nous a demandé ou répond à des spécificités techniques que l'on attend de notre code. Donc, on écrit un test et ensuite, on va écrire le code qui correspond. Alors, la deuxième règle, c'est que quand on va écrire code qui va répondre à un test, on n'a pas le droit d'écrire plus de code que ce que le test en demande. Pourquoi Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des morceaux de code qui ont été écrits en plus et qui ne sont donc pas testés. Puisque le test ne demandait pas qu'on écrive ce code, ça veut dire que le test ne va pas se concentrer sur ce code-là. Donc ça veut dire que vous avez des parties de code qui deviennent des parties de code qui ne sont pas testées. Et ça, du coup, ben, c'est ce qu'on ne veut pas. On ne veut surtout pas dépendre de code dans notre application. Qui euh, n'est pas testé. Donc, quand vous écrivez un test, vous allez écrire uniquement le code qui va répondre à ce test. Vous n'écrivez pas pas plus de code que ça, parce que sinon, ça veut dire que ce code-là ne sera pas testé. Et enfin, ben, vous n'écrivez pas de nouveaux tests tant que vous avez des tests qui ne sont pas passés au vert. Donc, ça vous évite comme ça d'avancer trop vite dans vos itérations. Alors, bien sûr, il y a un autre cycle. Là, je vous ai parlé du cycle global TDD. Euh, salut à toi Charny, salut Julien et euh, bah du coup bah c'est tout. tout. Ah bah il y a Anto qui est là aussi. Salut Anto. Euh, très plaisir que tu sois là. Et bah salut à tous ceux que j'ai pas vu dans le chat mais qui sont quand même là, hein, là la, la majorité silencieuse hein, comme on l'appelle euh, chez nous. Alors du coup. Euh, salut Matt Surfman et salut Denis. Du coup, là, je vous parle du cycle global du TDD. On va écrire un test, on va écrire le code qui lui répond et ensuite on va passer au test d'après. Très bien. Mais il y a un cycle plus précis, il y a, des, il y a un cycle d'itération pour chaque test que vous allez écrire. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir écrire un test. Vous allez pouvoir écrire le code qui répond à ce test et qui fait que le test, du coup, va passer. Et juste après, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que, étant donné que la fonctionnalité que vous attendiez, elle est là, le test le prouve, il était rouge, il marchait pas, vous avez écrit du code, maintenant le test est content, tout marche bien. Étant donné que vous savez que vous avez avancé dans la bonne direction, vous pouvez maintenant vous mettre à trifouiller votre code pour le rendre un peu plus joli, pour le refactoriser, et sans avoir peur de péter quoi que ce soit d'autre, ben, rendre votre code, du coup, de plus en plus qualitatif, de plus en plus réutilisable, etc. Salut Mohamed et Daouda et salut Jean-Marc. Alors, on va continuer à avancer là-dessus. Alors, en gros, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, je vous ai fait des screenshots de l'évolution de notre code à l'époque. Donc, quand je suis arrivé dans la première émission, dont vous, encore une fois, retrouverez le lien dans la description, dans la première émission, le tout premier code que j'ai voulu faire, c'est une page qui dit Hello à la", au nom qu'on a envoyé en paramètre get. Donc, vous voyez, le code qui a en haut, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il fait Il dit... Je vais prendre le nom dans les paramètres de l'URL, dans les paramètres get. Je vais renvoyer au navigateur une réponse, voilà, qui corresponde à ce qui va s'afficher. Et donc, dans cette fameuse réponse, qu'est-ce qu'on y retrouve? D'abord, le statut code, hein, le, le code de la réponse, qui est un code 200, qui veut dire que tout s'est bien passé. Je vais renvoyer une entête content type qui dit que le contenu de ma page, c'est du texte et du HTML. Et bien sûr, je vais renvoyer un contenu pour que le navigateur puisse l'afficher, qui est hello name. Donc, si j'envoie dans les paramètres de l'URL, j'envoie ben, Lior dans le name, ben, théoriquement, ça me renvoie une réponse avec un statut 200, tout s'est bien passé. Une entête content type, c'est du texte HTML, et le contenu, ce sera hello Lior. Ok, super. Quel était le problème avec ce code-là Ben, le problème avec ce code-là, c'est qu'il n'était pas facilement testable. Alors, bon, premier truc un peu chiant avec ce code, c'est que pour le tester, il fallait faire une inclusion, et il fallait euh, utiliser un tampon. Bon, bref, c'était un peu relou. Deuxième truc un peu emmerdant, c'est que par exemple, euh, tout ce que vous mettez en place avec la fonction header, comme vous allez lancer des tests avec PHP Unit en, en, en console, il y a des chances que ça pète un câble. Alors, bien sûr, il y a des moyens de ne pas le faire péter un câble, mais déjà, ça veut bien dire que pour tester ce code, faut déjà commencer à aller chercher sur Google et comment je fais pour pas que euh, PHP Unit pète un câble avec la fonction header. ok. Autre chose, ce que j'ai mis ici dans la fonction header, eh ben, je ne pouvais pas vraiment le tester facilement. Parce que non seulement ça aurait posé un problème, donc au niveau de la console, ça aurait fait des erreurs, mais surtout ce que je mets dans le header, ben je ne peux pas vraiment le récupérer derrière pour m'assurer que c'est bien là. Et euh et donc, bah, Guillaume, désolé pour la latence depuis l'Ukraine, alors ça, pour le coup, vraiment, j'y peux, peux pas grand-chose, mais j'espère que au, au niveau de la rediff, bah, du coup, ce sera une vidéo classique que tu pourras regarder tranquillement. Euh, quoi qu'il en soit, donc, cette fameuse fonction header que vous voyez là, je ne pouvais pas tester facilement que j'ai bien ce content type qui est bien égal à texte HTML, sauf installer l'extension de PHP qui s'appelle xdebug et qui va me donner des fonctionnalités supplémentaires, mais vous voyez, encore une fois, on n'est pas dans la recherche de la facilité, là, on est dans l'idée que, Pétard, il va falloir installer une extension Xdebug, euh, il va falloir faire des inclusions avec des tampons, il va falloir faire tourner le test dans un process séparé. Donc tout ça, c'est des recherches Google, hein, c'est chiant donc qu'est-ce qu'on a fait On s'est dit bah les gars on va utiliser la POO la PO à la rescousse, on va se doter d'outils qui vont nous faciliter pour les tests alors qu'est-ce qu'on a fait On a créé une classe response qui va représenter la réponse et vous le voyez sur l'image du bas ici, vous voyez que au niveau donc du code, on a la création d'une réponse, c'est un objet tout bête qui a juste des propriétés statut code headers et content et on va lui donner ces différentes propriétés. Quel est l'avantage C'est que dans PHP unit, quand on va récupérer cette variable réponse, on pourra tout à fait tester que le statut est bien de son, que qu'on a bien une en-tête content type qui vaut texte HTML, qu'on a bien aussi un content qui est euh, Hello et Lior, par exemple, d'accord Donc, on va pouvoir tester tout ça. Alors, quel est euh, le problème Quel est le problème ici Alors, attendez... Juste avant de continuer, ça serait dommage de continuer dans, dans de mauvaises conditions, je vois plusieurs personnes qui me disent qu'ils n'ont pas une bonne qualité de lecture. Est-ce que c'est le cas euh, Moi, pour le coup, la console me dit que j'ai une très bonne connexion et que ça marche très bien. Est-ce que vraiment, il y a un problème en termes de qualité Donc j'attends sur le chat essayez de me dire un peu, la qualité vidéo je parle, hein? pas forcément la qualité son, hein? la qualité vidéo, donc je vois ici du 1080p, aucun problème, ok, impeccable, nickel. Bon, ok, a priori c'est bon pour la majorité, 720p, 1080, bonne qualité vidéo son, merci beaucoup, bon très bien. Parfait, parfait, très content. Et donc ici, le fait d'utiliser l'APO, le fait d'utiliser un objet, l'avantage c'est que ça va me permettre de stocker des informations pour, dans mon test, les extraire et faire des tests dessus. Alors on a encore un problème ici, c'est que encore une fois, le code du traitement qui va aller chercher le name, qui va créer la réponse, etc., et le code de l'envoi même de la réponse sont ensemble. Donc encore une fois, je suis obligé de faire une inclusion, je suis obligé de, de faire éventuellement différentes choses qui vont pas me faciliter forcément la tâche au niveau de mes tests. Donc c'est là qu'on a fait émerger, voilà, c'est venu euh, automatiquement entre guillemets, on a fait émerger un concept intéressant qui est la séparation des préoccupations. On s'est dit attends, si tu mélanges dans le même fichier le traitement et l'envoi de la réponse, tu vas toujours avoir le problème dans PHP Unit des headers qui ont été already sent. Donc c'est un problème qu'on avait vu, mais vous le retrouverez dans le premier épisode si si vous l'avez pas vu. Donc on avait certains problèmes à cause de cette fameuse fonction send. Je sais pas si vous la voyez là sur sur le côté. Il y a une fonction send ici de la réponse qui posait un problème et donc qui nous empêchait de faire nos tests correctement. Donc qu'est-ce qu'on a fait On a décidé de prendre tous les traitements et de les mettre dans une classe à part. Alors quel est l'avantage avec ça L'avantage de prendre les traitements et de les mettre dans une classe à part, c'est que du coup, dans nos, dans nos tests, on a juste à instancier la classe et à faire la demande des traitements. Ces traitements-là, ils vont pas faire appel à la méthode send de la réponse, parce que celle-là, elle pose un problème au niveau des tests. Vous comprenez l'idée Donc on fait en sorte qu'on ait nos traitements sans l'appel à la méthode send, et donc ça nous permet de voir finalement dans notre classe HelloController, qu'est-ce qui se passe quand on appelle la fonction sayHello. De voir la réponse qui a été renvoyée par ce contrôleur et de faire des tests dessus. Et donc, premier gros, on va dire, première grosse euh, bonne pratique qu'on découvre, c'est que, en réalité, si on commence à séparer nos codes, à se dire que chaque classe pourrait avoir une mission particulière, et donc on reboucle sur le, le principe S, hein, des principes solides, une mission par classe, une responsabilité par classe. Et eh bien en fait, si on commence à adopter cette, euh, cette philosophie, on voit que notre code devient de plus en plus testable puisque maintenant on a une classe par mission, une mission par classe, et dès qu'on a envie de tester quelque chose, on sait quelle classe on veut tester, on sait quelle méthode on veut tester et on peut commencer à travailler correctement comme ça. Donc premier gros concept qui a émergé de notre expérience, c'est la séparation des préoccupations. Alors un autre concept qu'on a fait émerger aussi lors des deux heures de cours qu'on a fait la dernière fois, c'est: alors, ce que moi j'appelle l'inversion de contrôle, euh, certains diraient, mais c'est pas ça l'inversion de contrôle, ça c'est juste de l'injection de dépendance, bon, peu importe. Moi, dans mon idée, vraiment, l'inversion de contrôle c'est ça, peut-être que ce n'est pas ça, allez vous renseigner, lisez des livres, faites-vous plaisir. Alors, regardez ce qu'on voit à gauche. Ce qu'on voit dans le code de gauche, c'est qu'on a commencé donc à coder, on voit une classe TweetController qui a une fonction Save très facile voilà et dans cette fonction save on voit que le contrôleur se crée un outil il se crée un tweet model c'est un objet tweet model et il lui passe entre parenthèses dans le constructeur et il lui passe une certaine configuration sous-entendu par exemple il lui passe la configuration de connexion à la base de données alors quel est le problème dans le code de gauche eh bien, le problème dans le code de gauche c'est que quand un développeur va utiliser le tweet controller, il n'aura pas le choix de, il n'aura pas le contrôle sur ce qui va se passer. Le tweet controller, la classe tweet controller va se connecter au modèle à la base de données qu'il veut. Et ça c'est un problème. Parce que moi, j'aimerais bien pouvoir parfois tester ce tweet controller euh, sur une base de données différente j'aimerais bien pouvoir le brancher sur une autre base de données. Pour ça, si je ne prends que le code de gauche, si je veux tester ce tweet, ce tweet controller sur une autre base de données, je suis obligé d'aller le modifier. C'est con. Donc quand je fais mes tests, je vais le modifier pour qu'il ait la base de données de, de, de test. Et quand je mets en prod, je dois le modifier pour qu'il ait la base de données de prod. Alors ça, c'est pas bon. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut inverser le contrôle. On peut dire aux développeurs qui utilisent la classe tweet controller, Désormais, regardez, c'est le code de droite. Désormais, le tweet controller ne va pas instancier lui-même le tweet model. Il ne va pas configurer lui-même sa connexion à la base de données. C'est toi, développeur, qui utilise le tweet controller, qui va contrôler ce truc-là. C'est toi qui va créer le modèle que tu veux. Tu vas donner les détails d'implémentation. Enfin, tu vas donner les détails de configuration que tu veux, et tu vas passer ton modèle au tweet controller. Et là, le tweet controller, du coup, ne devient plus le créateur du tweet model. Donc le configureur, on va dire, le configurateur du tweet model, il ne devient qu'un simple utilisateur du tweet model. Donc du coup l'inversion de contrôle c'est l'idée de dire finalement si vous voulez une phrase pour le résumer, je dirais ça serait tout simplement un objet, d'accord, théoriquement une classe, un objet, ne doit pas instancier elle-même ses outils. Parce que sinon, ça veut dire que c'est elle qui a le contrôle de ses outils, c'est elle qui configure ses outils. Dans l'idéal, ce que vous devriez faire, c'est passer par l'injection de dépendance pour que ce soit le développeur qui instancie les outils, qui les configure, et qui les passe à, euh, à la classe qui en a besoin, à l'objet qui en a besoin. J'espère que vous suivez à peu près. J'ai l'impression qu'au niveau du chat, il n'y a pas de questions, à part une question HS. Quand choisit-il un client riche, Angular, React vers un site plus statique euh, ben je sais pas c'est une très bonne question euh, en fait théoriquement euh, quand tu réponds à une mission euh, t'as le gars euh, qui te raconte que euh, il veut un truc euh, réactif ou pas alors moi pour le coup euh, moi j'utilise très souvent React hein, pas moins souvent Angular mais très souvent React et après si euh, voilà si le site c'est vraiment un site très vite fait où il y a pas de il y a pas de comment dire de besoins particuliers en réactivité, d'avoir un site vraiment réactif et tout ça, euh, Symfony Twig, ça marche très bien, hein, les gars. Hein, vous avez des affiches HTML en fait, hein, même un site HTML, ça marche parfaitement bien. Mais ça, du coup, il y a Anthony Velk qui est là. Demande-lui. Hein, quand est-ce qu'il fait vraiment du pur statique Quand est-ce qu'il fait du Quand est-ce qu'il fait du React Quand est-ce qu'il fait juste du HTML Bon, lui, je sais qu'il fait très bien les deux parce qu'il fait du Gatsby, donc il fait à la fois du React et du HTML statique, du coup. Mais bref. Alors, attention ici. On a un débat parce que Surfeur des temps me dit l'inversion de contrôle, ça veut dire que tu as une interface en paramètres. Ok, euh, ça se discute parce que là, ce que tu es en train de me décrire, c'est l'inversion de dépendance. Donc, c'est le principe D de Solid. Vous verrez que qu'on va voir ce principe aussi pendant notre, notre série de cours. Euh, non, non, c'est un, un, un bon rappel. C'est pas que c'est nul, c'est que moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Moi, je pense que l'injection de dépendance, même quand tu n'as pas une interface en paramètres, que tu as simplement une classe. D'accord, l'injection de dépendance, c'est ça pour moi l'inversion de contrôle. C'est simplement le fait que le développeur, c'est simplement le fait que le développeur est le contrôle des outils plutôt que la classe elle-même. Mais peut-être que je me trompe. De hein, toute façon, regardez, il y, y a même Fred qui est là, Frédéric Bouchery qui est là. Allez le suivre sur Twitter, allez le suivre sur YouTube. Vous allez voir, lui, voilà, lui il est bon. Moi je suis juste euh, vulgarisateur. Lui il est vraiment, il est dans le truc. Donc peut-être que lui pourra nous aider là-dessus. Mais c'est vrai que si vous regardez sur Wikipédia par exemple, on vous dira l'inversion de contrôle. L'inversion de contrôle, c'est le fait que vous demandiez une interface en paramètre et donc le fait qu'on puisse vous injecter n'importe quelle classe qui euh, implémente cette interface. C'est ce que dit Wikipédia, hein, notamment. Moi, enfin, moi, je fais bien la distinction entre l'inversion de contrôle. Selon moi, moi, je fais bien la différence entre l'inversion de contrôle qui est juste l'injection de dépendance et l'inversion de dépendance qui est là effectivement le fait de s'appuyer sur des abstractions plutôt que des implémentations. Là, c'est du débat. Hein, on va dire franchement, on n'en est plus là. Donc, les premières règles que l'on retient. Premièrement, utilisons la PO. Pourquoi Parce que ça va nous permettre de représenter facilement des ensembles d'informations qu'on va pouvoir tester. Ah si, bah si. Si je me trompe, sur faire des temps, faut me le dire. Alors là, euh, la séparation des préoccupations, ce qui va nous permettre vraiment que chaque classe soit euh, dotée d'une mission et donc on va pouvoir tester vraiment des petites missions mais que toutes ces missions se passent bien. Ça, ça fait plaisir. Et enfin l'inversion de contrôle qui permet de dire que vous avez le contrôle sur toutes les pièces et que donc dans vos tests, si vous voulez manipuler ces pièces là, bah, vous pouvez le faire sans euh, en étant tranquille. Du coup, on va pouvoir passer au live coding. Euh, merci Mathieu Duverne d'être arrivé. Oui, Mathieu, tu m'aimes. Moi aussi, je t'aime. <laughs> Alors, est-ce qu'on a VS Code qui est ouvert qu On a VS Code qui est ouvert. On a, qui est ouvert. Euh, on a même le terminal qui est ouvert. Alors que je reprenne où on en était, dites-moi s'il faut zoomer hein, sur VS Code. Dites-moi si ça vaut le coup qu'on zoome. Euh, Qu'est-ce qu'on a ici On a du coup notre terminal ZSH. Et on a ici, du coup, ben, le projet. Le projet que vous retrouverez sur Twitter actuellement. Euh, sur Twitter, sur GitHub, pardon, actuellement. Euh, et donc, où est-ce qu'on en est Alors, ce qu'on avait commencé à écrire, c'était un certain nombre de tests. Alors oui, il y a certaines choses que j'ai fait en dehors de la vidéo de la dernière fois. Je suis désolé, mais c'était pour arriver aujourd'hui à quelque chose de prêt. Euh, salut à toi Iron Brachial, tu gères. Je vais prendre la formation Symphony 5. Ben oui, ben fais-toi plaisir. Alors attention, formation Symphony 5, déjà un petit niveau PHP requis, hein, les amis. Faut pas arriver là, euh, faut pas arriver là sans niveau. Hein. Euh, donc du coup. On est là, on va travailler là-dessus. Alors la première chose qu'on avait fait, c'est qu'on avait créé un dossier des tests, on avait configuré euh, PHP Unit Watcher, donc PHP Unit Watcher qui va permettre de relancer les tests à chaque fois qu'on modifie un fichier, c'est très pratique parce que dès que vous modifiez quelque chose, dès que vous sauvegardez, boum, vous rebalancez, vous rebalancez directement du coup les, les tests et vous voyez si ce que vous venez de faire, ben ça a pété quelque chose ou pas. Alors où on en était On avait un test de l'index. Donc je vais cacher le terminal qui nous prend de la place pour rien ici. On avait d'abord un fichier index test qui avait testé une fonctionnalité de Hello World, on va dire. Donc qu'est-ce qu'on faisait ici On disait, ben voilà, euh, quand j'appelle... Quand j'ai en paramètre get name j'ai Lior, quand j'appelle mon contrôleur, quand j'appelle sa fonction hello, il va me donner une réponse et cette réponse, ben je veux m'assurer qu'elle contienne bien bonjour Lior dans son contenu, je veux m'assurer qu'elle a bien le code 200 et je veux m'assurer qu'elle a bien le content type text html. Et voyez le fait d'avoir créé notre classe response, ça nous a permis justement de tester tout ça très facilement, alors qu'auparavant on avait du mal à le tester. Alors ensuite, j'ai d'autres classes de tests qui ont été écrites. Notamment au niveau des contrôleurs, on avait écrit une classe de test pour le tweet contrôleur. Et c'est là où ça s'était un peu corsé. Alors on s'est dit, voilà, notre client est venu nous voir. Salut Philippe Lec, Liorontem, c'est très gentil. Alors arrêtez les gars, parce que je, ça, ça, fait, ça fait un peu... Après, je vais rougir et tout. Partez pas en délire, on fait juste un cours sur le TDD. Et même moi, j'apprends plein de trucs en même temps que je fais le cours avec vous. Donc je, on n'est pas pas sur une star non plus, faut pas déconner. Calmez-vous. <laughs> Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce tweet contrôleur test Notre client est venu nous voir en nous disant « Bon les gars, maintenant, on veut, euh, maintenant en fait, on veut une fonctionnalité, on veut faire des tweets sur notre site. » Et donc on veut qu'un utilisateur puisse sauvegarder un tweet s'il en a besoin. Et donc on a écrit ce test. Avant d'écrire quelques codes que ce soit, on a écrit ce test. Un utilisateur peut sauvegarder un tweet. Et qu'est-ce qu'on y voit On y voit que ben on a commencé par se connecter à une base de données. Et là très important, ça aussi c'est une leçon que j'ai oublié de remettre dans mon PowerPoint mais c'est une leçon qu'on a appris la dernière fois, c'est que il faut que chaque test soit indépendant des autres. Donc par exemple, ici dans ce test, qu'est-ce qu'on fait On teste que si dans le poste on a un auteur et un contenu, on teste que si on appelle notre contrôleur et qu'on demande à sauvegarder un tweet, eh bien effectivement, on retrouve ce tweet dans la base de données. Alors, ici, qu'est-ce qui s'est passé Je vous rappelle, donc, on a écrit tout le code pour tester et ensuite on a écrit le code qui répond à chaque test et au fur et à mesure on a avancé comme ça. Et on a réussi à faire cette fonctionnalité qui fait que si on écrit, euh, si on a dans, le, dans la variable post ici un auteur et un contenu, si on appelle la méthode du contrôleur save tweet, alors pas de problème, ça va fonctionner, ça va enregistrer le tweet. Ça, c'est prouvé. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait vu On avait vu que quand on lançait notre test plusieurs fois, alors il y avait un problème. Pourquoi? Parce que quand je le lançais, imaginez que cette ligne n'y était pas là ici vous voyez ici dans cette ligne ce que je dis, c'est que je vais supprimer tous les tweets de la base de données d'accord. Donc imaginez que ça n'y est pas. Quand je lance une première fois le test, je vais insérer une ligne dans la base de données et mon test va marcher. Il va dire effectivement on a bien une ligne dans la base de données. Mais quand je vais relancer une deuxième fois mon test, il va plus marcher parce qu'il va insérer un deuxième tweet, D'accord Et on va voir que, ben, du coup, notre test, qui testait notamment le fait qu'il y avait un seul tweet dans la base de données, ben, on va voir que ça ne marche plus. D'accord Donc, ça nous pose un problème. Ça veut dire que mon test, en fonction de combien j'ai joué de tests avant, il va fonctionner ou il va pas fonctionner mon test il est pas stable moi ce que je veux c'est un test qui marche à chaque fois qu'à chaque fois que je le lance ça marche on dit en gros qu'on va faire des tests en isolation on va faire en sorte que ben chaque test soit vraiment isolé euh, l'un par rapport aux autres et faire en sorte que du coup ben ça plante jamais parce que d'autres tests ont été faits avant. Alors, ici, on voit bien ce qu'il a fallu que je fasse pour que ce test-là marche à tous les coups, c'est qu'à chaque fois que je lance ce test, je m'assure bien qu'il n'y a aucun tweet dans la base de données. Ben sinon, ça ne peut pas fonctionner. Sinon, forcément, mon test en lui-même ne va pas fonctionner. Alors, où est-ce qu'on en est par rapport à d'autres codes J'ai aussi un test sur une classe modèle ici, qui est ici. Et donc, le seul test que j'ai, c'est ben, mon modèle peut sauvegarder un tweet. Alors comment ça marche Vous retrouvez aussi les trois petites étapes voir les quatre, il y a une étape bonus à chaque fois. Les trois étapes, quand on écrit un test, souvenez-vous toujours, vous avez le fameux Given, When, Zen, et on vous encourage à écrire en commentaire le Given, c'est-à-dire la situation initiale, le When, c'est-à-dire le déclenchement d'une action, quelle action je déclenche, et le Zen, qui est en fait la constatation, donc le test réellement. Donc ici, alors vous avez une étape souvent qui est bonus, c'est l'étape du setup, c'est-à-dire de mettre en place les outils dont on a besoin. Donc ici, pour Tester que mon modèle marche bien, qu'est-ce que je fais? Je me connecte à la base de données et je supprime tous les tweets dans la table des tweets. OK. Ensuite, je passe sur mon given when then. En français, c'est étant donné, quand, alors. Donc qu'est-ce que je vois? Je dis étant donné un auteur et un contenu, donc Lior et test de tweet. Quand j'appelle mon modèle et que je veux sauver un tweet, donc je crée mon modèle ici et j'appelle sa fonction save, je lui passe l'auteur et le contenu. Eh bien, ce que je constate, c'est que effectivement, on m'a renvoyé un nouvel identifiant de tweet. Donc, alors, je reçois un nouvel identifiant qui n'est pas nul. Et ensuite, si je fais une requête pour aller chercher mes tweets, mon tweet, alors je m'assure que le tweet n'est pas false, c'est-à-dire qu'on l'a bien retrouvé, et je m'assure bien que l'auteur du tweet c'est bien l'auteur Lior ici, d'accord Et je m'assure que le contenu du tweet, bah, c'est bien le contenu ici qui est là, test de tweet. Donc, vous voyez, j'ai toujours ces trois étapes: given, when, then. Alors maintenant on va pouvoir continuer à travailler sur notre tweet controller test. Alors ce que je vais faire quand même, pour me rassurer moi-même, c'est que je vais relancer, hop. Allez, oh là là PHP, j'aurais dû le lancer. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais relancer quand même mes tests pour être sûr que tout passe bien. Alors que me dit PHP Unit là quand je lance mes tests Donc Vendor bin PHP Unit, tu vas travailler sur le dossier des tests et tu vas me mettre de la coloration ici. Ça me fait toujours plaisir. Il me dit écoute, on a trois tests qui sont tous passés avec 12 assertions. Bah, c'est magnifique. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Qu'est-ce qu'on me raconte Comment ça se fait que ça se fait que le chat je l'ai là mais je ne l'ai pas là C'est bizarre ça. Euh. Non, non, non. Mais c'est une blague. Ah, il y a un bug sur le chat. D'accord, je comprenais pas. Je me disais, c'est bizarre, je le vois sur le chat, je le vois pas là. Euh. Ok, bon. Bah écoutez, ma foi. Euh, c'est pas très grave. Au pire, hein, vous verrez sur la vidéo. Parce que j'étais en train de, de me demander. Mais les gens me parlent, mais je ne le vois pas, je ne le vois que là. Il y a un bug, effectivement, dans le chat. En effet. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher la boîte de chat. Ok, pour pas que ça dérange à la à juste à la visu à la vision, quoi. D'accord Pour pas que ça vous dérange trop là-dessus. Donc à part ça, est-ce qu'il y a des bugs d'affichage ou quoi Parce que là, du coup, ça m'inquiète. Est-ce que ça fait une heure que vous me voyez pas ou que vous me voyez en boucle Essayez de, de répondre relativement sur le chat. Hein. Est-ce que ça marche bien et est-ce que je suis assez clair Ne me laissez pas seul, par pitié. <laughs> je me sens vraiment très seul. Il est où mon chat, les gars, là Pourquoi j'ai pas mon chat Attendez, j'actualise je, je, attendez hein, juste le chat pour être sûr. Alors, parce que si vous me dites qu'il y a des bugs, et en fait moi je les vois pas, non Est-ce que vous pouvez me, 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 voilà, vraiment me rassurer sur le fait que, que je suis encore en live même <laughs> Ça, ça serait intéressant. Et si je vais plutôt ici Bougez pas, excusez-moi. Hein, là, c'est probablement, ça sera coupé au montage, ça. Hein. Non, ok. Ah, mais voilà, mais là, il est là. Ben voilà, mais c'est bon, je vous vois, les gars. Il fallait actualiser, voilà. Non, le chat a bugué chez moi, mais je vous vois. Mais du coup, ici, dire. On va se dire que le chat, on, on s'en fiche un peu. Voilà, ça vous va Pas de drame, tout va bien Ok, super. Ah voilà, vous aussi, le chat a bugué, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, ça, ça sera coupé au montage. Je monterai. Comment ça, j'ai tout pété C'est moi qui rame Attendez, mais c'est bizarre. Je sais pas, moi, je vois bien, j'ai l'impression. En tout cas, sur l'écran de contrôle, ça a l'air d'être bien. Oh, mais les gars, vous rendez fous. Il y en a, ils me disent ça rame. Il y en a, ils me disent ça rame pas. Il y en a, ils me disent c'est nickel. Euh, moi, je peux pas, là. Ok, ça a bugué 5 secondes, mais là c'est bon. De toute façon, on va couper tout ce bordel au montage. Voilà, ce sera plus simple. Ok. Euh, Peut-être en fait c'est ici le problème. Tac. C'est ça en fait le problème. Tac. Actualiser le chat. Ben voilà. Mais ben c'est tout. Ben voilà, mais super. Alors, mais... Ah là là, qu'il est mal fait ce logiciel. C'est un logiciel qui, tu vois, il n'est pas fait en TDD, ce, ce live YouTube là. C'est n'importe quoi. Alors, on va enfin pouvoir commencer à coder. Alors, justement, il y a quelque chose dont on voudrait se rendre compte réellement. OK Il y a quelque chose dont on voudrait se rendre compte réellement. Et pour ça, je vais prendre uniquement le test sur l'index qui travaille sur le Hello Controller. OK alors, le test qui travaille sur le Hello Controller, vous voyez, il est très simple. Il dit imaginons que j'ai une requête HTTP avec un paramètre get qui s'appelle name et qui contient Lior. Si j'instancie un Hello Controller et que j'appelle sa fonction Hello, il devrait me renvoyer une réponse qui contiendra Bonjour Lior. Ok Alors, mon, euh, mon client vient me voir et il me dit euh, Lior, il est important quand même que s'il si n'y a pas euh, de name dans le get, alors que la réponse, ce soit bonjour tout le monde. D'accord Donc il me dit soit il y a un name dans le get et ça vaut l'ior, d'accord Soit il n'y a pas de name dans le get et à ce moment-là, on dit bonjour on dit bonjour tout le monde. Vous comprenez l'idée Est-ce que j'espère que tout le monde comprend Problème entre chaises et clavier. Oui, c'est moi le problème de chaise au clavier. <laughs> Donc ce que je dis, c'est que je ne peux pas écrire le, le code qui va faire ce que mon client me demande sans écrire un test. Donc profitez de la latence très faible, n'hésitez hein. pas à essayer de me dire, voilà, moi ce que je demande à mes étudiants souvent c'est, ok, c'est quoi le given, c'est-à-dire c'est quoi la situation initiale qu'il faudrait pour que je puisse tester ça, c'est quoi le, le, le when, c'est quoi l'action que je voudrais faire, et euh, c'est quoi le zen, c'est-à-dire qu'est-ce que je m'attends à avoir comme situation finale. Donc moi ce que je vais faire ici c'est que je vais écrire un nouveau test, et ce nouveau test je vais l'appeler de cette façon-là. Euh, comment je l'ai appelé le premier test? Home page says hello. Ok, je vais dire ici test it works even même if there is no name in get. Ok, bon, le nom de la fonction est un peu long, mais au moins n'importe quel étudiant qui lit ma classe ou n'importe quel développeur qui lit ma classe de test comprend à quoi sert ce test. Le but, ici, ça va être tout simplement, le but ici, ça va être tout simplement de tester que s'il si n'y a rien dans le tableau get, donc ici, je ne vais surtout pas faire la même chose que ce que j'ai fait ici, d'accord Je ne vais surtout pas faire ça. Je vais simplement appeler mon contrôleur, je vais simplement appeler sa fonction hello, et je vais simplement tester que ma réponse soit bien bonjour tout le monde, ok Donc ici, voilà ce qu'on va faire. On va créer notre contrôleur, donc je vais dire, ok, j'ai besoin d'un new hello contrôleur. Très bien. On va appeler notre fonction, donc contrôleur, qui est une fonction hello, d'accord Et on va dire que cette fonction nous retourne une réponse. Jusque-là, j'ai rien de nouveau, j'ai rien de particulier. Ça existait déjà tout ça, ok Et donc, ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est demander, vu que j'ai rien mis dans le get, d'accord Je n'ai pas de situation initiale, donc ici je vais dire given, donc étant donné qu'il n'y a rien dans le get, d'accord Ici je vais dire quand j'appelle. Mon contrôleur et ici je vais pouvoir dire alors je devrais voir je, bon je dirais plutôt alors la réponse devrait contenir euh, bonjour tout le monde alors ça je peux le tester super facilement je peux me faire ici un hein, this flash assert equals bonjour tout le monde et ça ça devrait être le ce qu'on trouve dans response flash get content tout simplement je vais sauvegarder. Donc vous êtes d'accord que là, j'ai fait vraiment ce que me demandait mon client. Mon client, il me disait ici, voilà, c'est très simple. Quand on appelle le contrôleur, mais qu'il n'y a rien en guette, il faut qu'il te dise bonjour tout le monde. Donc mon test représente la volonté de mon client, ou de mon chef de projet, ou de moi-même, d'accord Peu importe. Et donc là, je vais lancer mes tests. Et on voit qu'il y en a un qui pète. Alors pourquoi il pète Il me dit, quand j'ai testé... Donc ton nouveau test là ici, quand je l'ai testé, au lieu de me renvoyer bonjour tout le monde, il m'a renvoyé bonjour Lior. Alors bon, déjà je comprends pas trop pourquoi ça fait ça, mais parce que moi je comprends pas pourquoi il me renvoie bonjour Lior. À la limite qu'il me renvoie bonjour rien du tout ou quoi que ce soit, je comprends parce que moi j'ai pas mis de name dans le get. Alors je me dis bon, allons voir le code de mon hello controller, d'accord Je vais aller voir ça et on va le regarder ensemble. Ici, le Hello Controller, il me dit, je prends le name qu'il y a dans le get, je le mets dans name et je te renvoie bonjour name. Et alors là, est-ce que quelqu'un sait pourquoi, quand j'appelle ce test-là, alors que je ne mets rien dans le get, et eh bien pourtant ici, il me dit bien bonjour Lior. Allez, c'est qui le premier qui me sort, le, qui me sort la solution là Pourquoi ici, j'ai bonjour Lior alors que dans mon test, on le voit bien, on le voit bien, et eh bien je n'ai pas mis en place de get Là, normalement, la latence est toute courte. Si vous voulez être sûr que la latence est vraiment bonne, vous actualisez. Et donc, on a Fluxy qui nous dit que, effectivement, très bien joué. Il nous dit, ben là, le problème, c'est qu'il y a sûrement un autre test, d'accord Il y a sûrement un autre test en amont de celui-là, qui, euh, qui fait en sorte que celui-là, il part en couille. D'accord Donc, c'est exactement ça, la bonne réponse, Fluxy. Ici, effectivement, le test d'avant il met en place d'accord dans get il met en place le name et alors bon le truc c'est que euh, le truc c'est que au revoir euh, Guillaume ciao le truc c'est que les amis la variable get la variable dollar underscore get le problème qu'elle a d'accord le problème qu'elle pose c'est que c'est une super globale ça veut dire qu'en fait elle reste en vie tout le temps de l'exécution de PHP et elle est partagée partout dans toutes les fonctions donc si vous y touchez dans un test il faut bien comprendre que dans le test d'après, elle sera toujours en l'état. Ça veut dire que dans mon premier test ici, je mets en place une donnée dans ma Super Global Get. Okay Et quand je lance le deuxième test ici, même si je ne touche pas à Get, il faut bien comprendre que ça y est encore. Ça y est toujours. Okay Donc là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je m'assure ici que la Super, la super Global Get n'est ben, pas... Euh, n'est pas impacté par d'autres tests donc ce que je vais faire ici c'est que je vais dire tout simplement get c'est égal à un tableau vide donc je dis étant donné qu'il n'y a rien dans le get pour de bon et donc à ce moment là ce que je viens de faire ici d'accord dans ce premier test n'a plus cours alors on va voir si maintenant ça marche je vais lancer mes tests et je vois que mon test il est rouge pourquoi parce qu'on me dit dans ton hello Controller à la ligne 11 on n'a pas trouvé d'index name très bien. un test rouge, c'est parfait. parce qu'un test rouge, ça me permet de dire, allons-y, mettons en place le code qui nous manque. et donc, ici, je vais pouvoir venir dans mon, dans mon contrôleur ici et je vais pouvoir dire, écoute, on va chercher get name et si ça n'existe pas, on va prendre tout le monde à la place. je vais sauvegarder. donc, vous comprenez. Hein, s'il y a quelque chose dans get name par exemple, l'ior, donc name voudra dire. Lior, ok, mais s'il n'y a rien, name contiendra tout le monde. Donc ici, il y aura bien écrit bonjour tout le monde. Lançons nos tests. Et là, je vois que les tests fonctionnent. Donc, salut à toi Steve, salut à toi Rust. Qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement Encore une fois, que nos tests doivent pouvoir être faits en isolation les uns par rapport aux autres. Il ne faut pas qu'une action que je mets en place dans un test ait des répercussions dans un autre. Parce que ça veut dire que ce test-là, il est trop fragile. Il dépend de ce qui se passe par rapport d'autres tests et ça c'est pas normal il faudrait que chaque test puisse être joué à l'infini sans jamais varier dans son comportement ok donc ici c'est bien notre cas ici on peut jouer ces deux tests là séparément une infinité de fois ils se, ils se boufferont jamais la gueule ok alors autre chose il est important, là, on l'a, on l'avait pas fait la dernière fois, mais il est important qu'on refactorise non seulement le code de production, donc le code qui répond au test, mais aussi le code de test pour avoir des facilités de lecture systématiquement. Donc, par exemple, ici, moi, je vois que dans euh, ma classe de test, ici, index test, je vois que j'ai deux fois l'instanciation du contrôleur. Et puis, en même temps, j'ai bien l'impression que très souvent, je vais être amené à utiliser ce contrôleur dans mes tests dans cette classe-là. Ce que je peux faire, c'est que plutôt que de l'instancier à chaque fois, je vais pouvoir faire appel à des notions qu'on n'avait pas vues lors du premier épisode, mais qu'on va désormais mettre en place. Ces notions, ce sont la, les notions de setup et de teardown. Alors, qu'est-ce que c'est le setup et le teardown quand on fait des tests Alors, ça existe dans toutes les librairies de tests, que vous fassiez du front, que vous fassiez du back, que vous fassiez du PHP. Du Java ou quoi que ce soit, vous avez toujours la possibilité de créer des euh, fonctions de setup et de teardown. Ce sont des fonctions que PHP Unit, ici en l'occurrence, va appeler avant chaque test et après chaque test. Alors, moi, ce que je me dis, c'est si dans chacun de mes tests, j'ai besoin d'un contrôleur qui soit un Hello Controller, dans celui-là, j'en ai besoin. Dans celui-là, j'en ai encore besoin ici, regardez. Et donc, je me dis, en fait, dans tous mes tests de cette classe, je vais avoir besoin d'un HelloController. Ce que je vais pouvoir faire, d'accord, ce que je vais pouvoir faire ici, ça va être tout simplement faire en sorte que j'ai toujours, avant chaque test, une instantiation de mon HelloController, de façon à ce que dans chaque test, je puisse utiliser cette instance. Alors, comment est-ce que je vais faire ça pour mettre en place euh, un setup, donc une fonction que PHP Unit va toujours appeler avant chaque test, ce que je peux faire, c'est surcharger la fonction setup qui vient de test case. Et comme on hérite de test case, on peut la surcharger. C'est une fonction qui est protégée. Protected function setup. Voilà. Et donc, je vais surcharger cette fonction. Et sachez que cette fonction, elle va être appelée automatiquement par PHP Unit avant chacun des tests de cette classe-là. OK. Donc ce que je vais pouvoir faire ici, c'est que je vais pouvoir me créer une petite propriété, tranquille. Je vais l'appeler protected. Je sais qu'elle sera de type TweetController. Ah non, là on est sur le test Hello, pardon. Elle sera de type HelloController et je vais l'appeler controller, OK Et ce que je vais dire, c'est que je vais dire avant chaque test, je vais tout simplement dire que mon contrôleur, ma propriété contrôleur, c'est une nouvelle instance du HelloController, tout simplement. Ça me permet de faire quoi Ça me permet ici de Supprimer l'instanciation du contrôleur ici, hop, et de simplement faire référence ici à this contrôleur. Et ça va me permettre, juste en dessous, pareil, de supprimer l'instanciation du contrôleur et de faire appel ici à this flèche contrôleur. Et du coup ça me permet de refactoriser un tout petit peu, c'est pas énorme mais ça fait déjà plaisir. Ça fait déjà un peu plaisir d'avoir des tests qui sont un peu plus courts. Et donc si je balance, je vois bien que tout continue de fonctionner, mes tests sont nickel chrome, je peux continuer. Alors qu'est-ce qu'on me dit un peu dans le chat Je fais un petit tour. Euh, bonjour au passage. Salut Steve. À la fin du premier, il faut faire un euh... Normalement pour le premier test, tu devrais retourner bonjour Lior et avoir un troisième test pour tester un autre name avant de faire appel à dollar get. J'ai pas bien compris, Brice. Euh, tu devrais faire un autre test avant de faire appel à dollar $name. Euh, OK. Bon, donc là, j'ai bien un test dans le cas où j'ai getName. OK. Et j'ai bien un test dans le cas où je n'ai pas getName. Donc qu'est-ce qu'on va tester de plus Toi, tu voudrais tester Genre, je mets getName égal Lior et je fais un test pour m'assurer que ce n'est pas différent de Lior. Enfin, je ne vois pas trop ce que tu veux faire. Euh, ou alors un getName vide, peut-être. C'est ça que tu voudrais euh, Avoir un troisième test pour tester un autre name avant de faire appel à get. Bon, écoute, hein, tu reviendras. Quand tu, tu me diras ce que, que tu entendais par là, peut-être que j'ai raté quelque chose moi aussi. Alors, maintenant qu'on a bien compris que chaque test doit être fait en, euh, comment on appelle ça en isolation, les uns ne doivent pas dépendre des autres, il faut faire gaffe à ça. On va pouvoir continuer à travailler non plus sur notre Hello Controller, qui est vraiment une classe à la con, hein, que j'utilise juste pour un peu de pédagogie. On va pouvoir aller beaucoup plus loin en travaillant sur notre Tweet Controller. Alors, ici, je suis sur la classe TweetControllerTest. Qu'est-ce que j'y retrouve? J'y retrouve un premier test qui dit, ben, un utilisateur peut sauvegarder un tweet. Et là, ici, ce que je vois, c'est que je passe par beaucoup d'étapes pour m'assurer que je vais pouvoir effectivement sauvegarder un tweet. Alors. Maintenant, je vois mon, comment on appelle ça Je vois venir mon client qui me dit écoute, tu as fait un joli test unitaire ici, voilà, c'est un beau test fonctionnel, on pourrait dire même, où vraiment tu vas tester que si en poste on a un auteur si en poste on a un contenu, alors un tweet devrait être créé. Ok, c'est super. Maintenant, j'aimerais, cher ami, que tu me fasses, me fasses une fonctionnalité, surtout pas que tu me fasses, hein, faites pas ça. Hein. Et surtout, dites que votre client ne vous dise jamais que. Euh, il veut que vous le fassiez non non il veut que vous lui fassiez une nouvelle fonctionnalité donc ici le but du client il me dit voilà c'est très simple par contre si il manque l'auteur ou si il manque le content dans post je veux que le tweet ne soit surtout pas créé c'est très important donc il me dit si à l'auteur et le content je veux que ce soit créé mais s'il manque l'auteur ou s'il manque le content je ne veux pas que tu crées ce tweet donc en fait il faut que je crée un deuxième test ici où je vais tester le cas où je n'ai pas en poste ni l'auteur ni le contenu. Alors comment je vais m'y prendre On est parti. On va créer un deuxième test et on va dire. Je vais euh, appeler ce test là. Euh, It can't save a tweet without author. Et donc je vais partir du principe suivant. Je vais partir du principe suivant qui est que. Donc. Given, donc étant donné, étant donné qu'on a bien un contenu dans $post, mais pas d'auteur. Donc ici, on va dire un content, mais pas d'auteur. Donc ici, ce que je vais dire, c'est je vais juste dire post, crochet, content, c'est égal à tweet de test. OK Mais vous remarquez que je n'ai pas mis d'auteur. Alors ici, déjà, excusez-moi, hein, je la reprends. Quelle est la leçon qu'on vient de tirer par rapport à nos différents tests si on les regarde Quelle est la leçon qu'on vient de tirer par rapport à nos différents tests Ben là, alors bon, c'est vrai que c'est chiant parce qu'il y a la latence et en fait j'ai l'impression d'être en classe, mais je ne suis pas en classe, il y a quand même une latence de 5 secondes. Donc forcément, quand je pose une question, je me retrouve bien seul pendant 5 secondes. Ici, le problème qu'on a, n'oubliez pas, c'est que malgré tout, dans le test d'avant, j'ai déjà mis en place un auteur. Et donc, je suis pas du tout, euh, en isolation ici dans ce test-là. Au fait, juste ça, c'est carrément un plaidoyer pour se dire qu'on ne devrait pas utiliser les super globales dans les tests. On voit bien les problèmes que ça pose, ça nous casse les couilles, ça. Il faudrait qu'on puisse représenter la requête par autre chose que des super globales. On voit bien là que ça marche pas. À chaque fois, on est là à se poser la question, etc. Donc, ce que je peux faire ici, avant toute chose, c'est dire, vous savez quoi, on va partir d'un poste qui est un tableau vide. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a rien dedans. Et maintenant, on va dire qu'il y a un content, mais pas d'auteur. La question est la suivante maintenant il faut que j'instancie mon contrôleur, il faut que j'appelle la fonction save et que je constate que aucun tweet n'a été créé. Et Steve Durand qui me dit c'est le mal les super globales. Oui, c'est le mal les super globales. Ok. Alors maintenant, on va pouvoir continuer à travailler. On va pouvoir se demander ok, il nous faut créer un contrôleur, un tweet contrôleur. Très bien. Donc je vais me dire ici. Donc ici c'est quand j'appelle mon tweet controller. Donc je vais dire ici controller c'est égal à un new tweet controller. OK. Alors je me rends compte que mon tweet controller, il a besoin pour être créé d'un tweet modèle. D'accord Donc je vais me dire ici bah OK, je vais lui passer un new tweet modèle. Et là je me rends compte que le tweet modèle pour être créé lui-même a besoin d'un PDO. Voilà, ce que je peux faire, c'est me rendre dans la fonction d'avant et je vais copier-coller. Je vais pas me faire chier la vie non plus des heures. Et donc, je vais copier-coller toute cette partie-là. Et là, vous vous rendez compte. Vous voyez bien que j'ai plein de choses à copier-coller un peu partout. Ça veut bien dire qu'il y a du refactoring qui peut être fait sur ce test-là. Alors, Brice vient nous dire, selon le TDD, il faut un minimum de code nécessaire pour valider un test. Donc, le premier test ne, ne devrait pas être validé en faisant appel à la variable get dans ton contrôleur. Pour ce premier test, il faut juste retourner dans le contrôleur. Bonjour, Lior. Ensuite, un autre test pour valider Bonjour. D'accord Mais oui, mais bien sûr, Brice, très bien. Je comprends ce que tu voulais dire. Très, très bien. Ok. Euh, très, très bien. Et donc Frédéric Bouchéry qui vient aussi nous confirmer que les super globales dans les tests, c'est de la merde, et que donc, théoriquement, il faudrait qu'on puisse représenter la requête. Non pas via les super globales, post get euh, d'accord etc mais bel et bien par un objet request qu'on pourrait créer pourquoi pas dans la, la prochaine, dans la prochaine émission ou dans celle là hein, j'en sais rien mais effectivement il faudrait qu'on ait une variable qui représente la requête et qu'on puisse passer au contrôleur mais qui soit donc du coup débarrassé des super globales ça nous aiderait vachement pour nos tests et donc c'est ce qu'on fera sûrement à un moment ou à un autre et donc du coup j'étais en train d'expliquer vous voyez qu'ici je reproduis beaucoup beaucoup de code et en fait, je suis en train de me dire que tout ce code-là, qui va créer le PDO, qui va supprimer les tweets dans la table pour être sûr qu'on est bien en isolation, qui va remettre à zéro le poste, qui va créer notre contrôleur avec son tweet modèle, tout ça, ça pourrait être mis en place dans une fonction setup. D'accord C'est-à-dire que ça serait fait avant chaque test. Et dans mes tests, je me concentrerai vraiment sur le test que j'ai envie de faire. Alors on refactorisera juste après, ok Donc maintenant, j'ai mon contrôleur. Et je vais demander à mon contrôleur, voilà. D'exécuter sa méthode saveTweet. Théoriquement, sa méthode saveTweet, elle va regarder dans dollar $post, d'accord Elle va demander dans dollar $post comment euh, quel est le contenu et quel est l'auteur et elle va essayer de sauvegarder comme ça un tweet. Alors ici, moi, ce que j'aimerais, c'est que la réponse m'explique que c'est faux. Donc je vais commencer à écrire mes tests ici. Donc alors la réponse devrait avoir un statut 400, bad request. Euh, et le contenu de la réponse devrait être, euh, je ne sais pas moi, euh, le champ author et manquant. Ok Alors on pourrait imaginer ce code-là. Donc on va commencer. Je veux tout d'abord m'assurer, this assert equals, que j'ai bien 400 dans response flèche, get status code. Alors, évidemment, ça se débat. Hein, les, les... On pourrait dire non, mais fais plutôt autre chose, etc. Peu importe. Mais là, pour le coup, je vais euh, travailler juste là-dessus. Je vais lancer mon test. Et j'ai un test rouge. Je suis donc obligé d'aller implémenter le code qui va répondre à ce, euh, ce test-là. Alors, je vais ouvrir mon tweet controller. Hop. Et dans la fonction save ici, je vais pouvoir commencer à travailler je vais devoir mettre en place ici quelque chose qui fasse que la réponse que je vais retourner ne soit pas forcément la même si je me rends compte qu'il n'y a pas d'auteur dans le poste. Donc on est parti pour implémenter ce truc là. Je vais dire tout simplement le minimum de code nécessaire ça serait si euh, bah si euh, empty, ouais c'est ça, s'il si n'y a rien dans poste author, alors je vais retourner une réponse voilà dont le contenu ce sera euh, bah pour l'instant, qu'est-ce que j'ai demandé comme contenu bah J'ai rien mis de spécial donc je vais mettre vide et dont le statut sera 400 tout simplement. Je vais sauvegarder et on va voir si j'arrive à, si à faire en sorte que mon test passe au vert et mon test est vert. Parfait, le test est nickel chrome. Alors maintenant je vais passer à la deuxième assertion que j'avais envie de faire c'était this assert equals. Et là, je veux m'assurer que la réponse, ce soit « Le champ auteur et manquant ». Et donc ça, je vais regarder dans « réponse. Flèche Get Content ». Boum Je vais lancer mon test. C'est rouge, parce que pour l'instant, le contenu de la réponse, c'est vide. Donc, je vais me rendre dans mon tweet-contrôleur, ici. Et je vais dire, bah, non seulement je te renvoie un statut 400, certes, mais je te renvoie aussi, aussi, le... Euh, c'est quoi que je voulais C'était « Le champ auteur » et manquant. Vous avez vu comment je me laisse guider maintenant par mon test Je peux même voir le texte qui est attendu et tout. Mon test me guide dans mon développement. Je balance, tout est vert. Alors ici, le fait que ce soit vert me permet de me dire normalement que j'ai envie de refactoriser que ce soit mon code de prod ou mes tests. Donc ici, je regarde mon code de prod et honnêtement, bon, peut-être parce que je suis vraiment pas euh, ouf, hein, d'accord Qu'on soit, qu soit bien clair. Faut que vous le sachiez ça, hein, Lior, en développement, elle est pas foufou. -fou. Il a, il a peut-être une bonne pédagogie euh, avec dans toute humilité, mais par contre euh, pas foufou. Donc là, moi, je vois pas vraiment ce que je pourrais refactoriser. Alors, certains vont me dire, ben bah, t'as qu'à faire une ternaire, comme ça, tu fais ci, ça, ça. Là, franchement, pour le coup, je ne vois pas trop ce que je pourrais foutre là-dedans. Alors, par contre, au niveau de mes tests, alors là, oui, là, je vois vraiment ce que je vais pouvoir faire pour améliorer ce code-là. Je vois bien que dans chacun de mes tests. Et je vais en écrire un dans deux minutes. Donc je sens que je vais en écrire beaucoup des tests et qu'il y a des choses que je n'ai pas envie de refaire à chaque fois. Donc je vois bien ici l'opportunité d'utiliser nos fameuses fonctions setup. Donc voilà ce que je vous propose. On va utiliser une fonction setup pour mettre en place ce qui est nécessaire avant chaque test. Donc on est parti. Protected, function, set, up. Ok. Et ici je vais pouvoir regarder voilà de quoi j'ai besoin. Je sais que dans chaque test, je vais avoir besoin d'un PDO. Dans chaque test, je vais avoir besoin de supprimer tous les tweets. Dans chaque test aussi, je vais avoir besoin de remettre à zéro le poste. Et enfin, dans chaque test, je vais avoir besoin de mon contrôleur. Donc tout ce dont je sais que je vais avoir besoin dans chacun des tests, ce que je vais pouvoir faire, c'est le mettre en place directement dans mon setup. Alors, je peux même anticiper en me disant, ben, je sais que je vais avoir besoin d'une instance de PDO dans tous mes tests, pour faire des requêtes par exemple. Donc ce que je peux faire ici, c'est dire protected PDO $PDO. Je sais que je vais avoir bien sûr besoin de mon contrôleur dans chacun de mes tests. Donc je sais que ça sera quelque chose de type tweet-contrôleur, tweet-contrôleur ici. OK. Je sais que je vais avoir besoin aussi, peut-être, si jamais dans, mon, dans tous mes tests, je vais peut-être à un moment donné avoir besoin de mon modèle, de mon tweet-modèle. OK. Donc je vais dire ici que je vais avoir un tweet-modèle. OK. Et eh bien, c'est tout. Et donc dans mon setup, qu'est-ce que je peux faire ben, je peux déjà mettre en place mon PDO. Donc je vais prendre mon PDO ainsi que la requête qui va mettre en, qui va supprimer tous les tweets. Donc je prends ça ici. Maintenant attention, la seule chose que je change, c'est le fait que j'assigne ça à ma variable d'instance PDO, d'accord, à ma propriété PDO. Ok. Maintenant j'ai dit que je vais avoir besoin d'un modèle aussi. Donc je vais prendre mon tweet modèle là, le new tweet modèle, je vais le prendre et je vais faire pareil pour mon contrôleur. Je vais le prendre aussi et je vais le ramener ici dans mon setup. Donc, ici, je vais dire OK, je vais avoir besoin d'un tweet modèle. Donc, this tweet modèle, c'est égal à un new tweet modèle qui prend un paramètre this PDO. Et this controller, hop, ici, this. Ah, Siri, laisse-moi tranquille. Voilà, pardon, excusez-moi, il y avait Siri qui, qui discutait là. Et this, ici, controller, c'est égal à un new tweet controller à qui je passe this flèche tweet modèle. Et enfin, la dernière chose que j'avais envie de mettre en place. La dernière chose, c'était bien de préciser que avant chaque test, je vide le tableau post. Et donc, voilà, oui, tout à fait, c'est puissant, setup pour refactoriser, puisque ça nous permet de tout mettre en place. Et alors, regardez maintenant comment mes tests vont fondre et comment, du coup, je vais avoir une facilité déconcertante à écrire des tests. Je n'ai plus besoin de mettre en place ici le setup de PDO. Dans chaque test, PDO est déjà mis en place et la table est déjà vidée. Je n'ai pas besoin de faire ça, OK je n'ai pas besoin de créer mon tweet modèle. non, je l'ai déjà dans this-flash-tweet-model. Je n'ai plus besoin de créer mon contrôleur, je l'ai déjà dans this-contrôleur. Et je peux donc appeler ici this-contrôleur. Maintenant ici, je vois que j'ai besoin de PDO pour faire une simple requête à la con, bon ben pas de problème, je l'ai dans this-pdo. Et puis ça suffit, regardez mon test, comme il est devenu beaucoup plus court et surtout beaucoup plus logique. J'ai des trucs dans le poste, j'appelle mon contrôleur, je fais mes assertions, ok vraiment très très bête. Et mon deuxième test, alors qu'est-ce que je peux arranger Pareil pour mon deuxième test. Je n'ai plus besoin de créer un PDO, je n'ai plus besoin de supprimer les tweets, je n'ai plus besoin de mettre à zéro le tableau des postes. Tout ça se fait tout seul. Qu'est-ce que je peux faire de plus Je n'ai plus besoin de créer mon contrôleur. Hop Et je peux juste ici appeler this->controller. Regardez comme mes tests sont beaucoup plus beaux, beaucoup plus simples à lire maintenant, beaucoup plus propres. Alors, Steve me dit, request, ça évite de prendre la tête entre get et post. Oui, bon, là pour le coup, j'essaye d'être précis, d'accord Quand c'est en post, quand c'est en get, etc., etc. Donc, ici, j'essaye je, d'être précis. Alors, maintenant, mon client, bah alors je vais quand même tout retester, hein, histoire d'être sûr que je n'ai pas tout pété. Tout marche bien. Mon client revient me voir et me dit, mon cher ami, désormais, ce que je veux que tu testes, ce que je veux que tu mettes en place comme fonctionnalité, c'est euh, tout bonnement, tout simplement, le fait que si il n'y a pas de content, alors on ne crée pas de tweet non plus. Donc en fait, ce que je veux, c'est exactement le même test ici. Donc je vais euh, prendre ce test ici et je vais pouvoir, du coup, le renommer donc test que on ne peut pas sauvegarder un tweet sans. Contenu, without content. Et donc ici, étant donné qu'on a bien un author dans le post, mais pas de content. Alors ici, ce que je vais dire, c'est ce que je vais dire post autor égale l'or, mais je ne donne pas de content. Quand j'appelle tweet controller, alors la réponse devrait être un statut 400 toujours. Et le message devrait être le champ content est manquant. Euh, Est-ce que vous, vous suivez tous C'est bon Tout va bien Tout le monde est OK et donc ce que je vais pouvoir balancer, c'est mon nouveau test, et je vois que ça ne marche pas, évidemment. Donc il faut que j'aille mettre en place le code qui va euh, tester ça. Alors non, je ne le fais pas dans le même test, hein, je fais vraiment euh, des tests différents, Steve. Hein, je ne fais pas tout dans le même test, je fais des tests différents au fur et à mesure. Et donc, je vais pouvoir revenir ici pour travailler. Et donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais en fait tout simplement dupliquer ce code. Déjà, j'ai en tête qu'il y a peut-être quelque chose de mauvais ici. Dupliquer le code, c'est un peu particulier. Et donc ici, euh, je vais pouvoir dire la même chose, mais pour le content. Si post content est vide, alors je vais dire le champ content est manquant. Et donc là, je vais pouvoir balancer mes tests. Et je vois que c'est vert. Parfait. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir. Donc, effectivement, Steve, tu peux utiliser. Euh, Brice, tu peux utiliser un data provider ici. Donc, pour ceux qui ne voient pas le data provider, allez vous. allez regarder euh, sur la doc de PHP. En gros, le, le, le data provider va vous permettre ici, imaginez que vous ayez un seul test, d'accord Mais que vous voulez le jouer un certain nombre de fois avec des, avec des données différentes. Alors vous pouvez faire appel à un data provider. C'est comme si en fait PHP Unit allait créer une boucle. Il va appeler votre test plusieurs fois avec des données différentes et vous allez pouvoir tester avec différentes choses. Donc effectivement, tu veux dire en fait Brice, ce que j'aurais pu faire c'est faire un data provider avec des tableaux associatifs. Qui serait ensuite placé dans le poste et du coup le test aurait pu tourner plusieurs fois. Là pour le coup franchement les amis je vois pas pourquoi on se prend trop la tête. A priori comme le, le message d'erreur est différent comme euh, voilà on est quand même dans deux situations un peu différentes on peut le garder en deux tests bien différents si vous le si vous êtes d'accord avec moi. Alors maintenant la question qu'on se pose maintenant que le test est vert est-ce que j'ai quelque chose que je peux refactoriser ici. Alors moi je pense qu'on peut refactoriser ici quelque chose effectivement. Ici, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, je me dis en fait, j'ai vraiment le même code et la seule chose qui va euh, changer, ça va être tout simplement... Allez, arrêtez Attendez, mais il est ouvert Discord là ou pas là Deux secondes. Je vais regarder si mon Discord est ouvert, parce que je me tape des, des notifs, et ça, c'est pas bon du tout. Hop, laissez-moi deux secondes, je le couperai au montage, ça aussi. Il est où mon Discord là Discord ah, mais ben oui, mais il est ouvert. Bien sûr qu'il est ouvert, Discord. Non, mais il faut le quitter. Excusez-moi, tout le monde. Je reviens, je reviens. Pardon, excusez-moi. C'est que ça, c'était gênant. Et quand tu vois tes potes qui s'insultent sur Discord alors que toi t'es en direct devant 100 personnes sur YouTube, ça fait un peu, c'est un peu lourd. Donc ici, les amis. On va pouvoir refactoriser notre code. Euh, comment est-ce que je le refactoriserai ça Est-ce qu'on peut pas avoir un tableau des champs obligatoires qui sont tous à vérifier et du coup ici euh, se demander en fait euh, peut-être faire une boucle ou je sais pas. <laughs> est-ce que ici quelqu'un euh, quelqu peut, euh, peut avoir une idée de refacto dans le chat Moi je vois bien un tableau genre euh, champ à valider. Et ensuite, peut-être une, ouais, une sorte de boucle pour dire ben voilà pour chaque champ à valider, je vais aller vérifier et en fonction, je vais avoir euh, voilà, le champ, nom du champ est manquant et je vais balancer. Ouais, tableau boucle, ça vous va ah non, pas de switch case. Par pitié. Pas de switch case. Euh, ok, donc voilà ce que je propose. On va se créer ici un euh, protected. Voilà, euh, ça sera un tableau qu'on va appeler du coup euh, euh, validation fields. Ok, non, c'est nul, c'est pas ça qu'on va appeler. On va l'appeler ça required. Required fields et on va dire ici, ok, ben on a le author et on a le content tout simplement. Et du coup, ce que ça va me permettre de faire, c'est que ça va me permettre éventuellement ici de faire une boucle ici en disant, ben for each this flesh, euh, required fields as field, on va pouvoir dire et on va pouvoir copier en fait ce if ici. Tac, qui est là. Et on va pouvoir dire ici, plutôt que de dire autor on va dire field. Et ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire une concaténation, ou alors tout simplement utiliser l'interpolation ici en disant dollar field, tout simplement, et manquant. Alors, est-ce que franchement, est-ce que c'est mieux Moi, j'ai l'impression que ça me rajoute un peu de complexité. Mais je me dis sur un objet, euh, je me dis sur un objet où il y a beaucoup de champs, ça sera beaucoup plus simple de faire ça que de faire des ifs euh, pendant euh, pendant euh, s'il y avait 10 champs dans mon euh, dans, y avait 10 champs dans mon formulaire, d'accord, ça serait un peu relou. Et donc ici, je relance mes tests et je vois que ma refactorisation n'a rien cassé. Donc voyez l'avantage des tests. J'ai fait beaucoup de modifications ici. Et pourtant, en relançant mes tests, je suis très rassuré sur le fait que ça marche bien. Pas de problème, ça fonctionne. La demande du client est bien respectée ici. Ok euh, Donc du coup, euh, tac, 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 tac. Alors je vois ici, effectivement, un array intersect qu'on ferait entre les champs requis et le poste. Euh, non, du coup, ça serait pas un ça serait pas un intersect. Oui, ou alors tu demanderais est-ce que l'intersect euh, euh, contient bien deux éléments ou un array diff hum, ça, se, ça se discute, ça se discute. En tout cas là pour l'instant ça fonctionne correctement. Alors peut-être que plus tard il va falloir euh, faire en sorte que euh, comment dire peut-être que plus tard en fait ce code là devra changer. Je ne sais pas en fonction des évolutions des demandes de mon client. Alors qu'est-ce qu'on me demande Hello tout le monde, c'est quoi ton template vs code please le template euh, ici, les gars, j'utilise le thème Pale Night, P-A-L-E-N-I-G-H-T. Pale Night, comme une nuit pâle, quoi, ok. Et la typographie, c'est une typo Operator Mono. Alors, ce que je vous propose, par contre, c'est que on commence à refactoriser en extrayant cette, euh, en extrayant cette petite, euh, cette petite euh, montagne ici de Forage, ce petit sapin de Noël. Ici, on va l'extraire dans une fonction. Encore que, encore que. Comment est-ce qu'on ferait ça Comment est-ce qu'on pourrait extraire ce truc-là euh, en faisant un this validate On ferait une fonction validation. Quelqu'un a une idée dans le chat Qu'est-ce que je ferais Je ferais une fonction validation qui me renverrait une réponse ou qui me renverrait nulle. Ok, on pourrait faire quelque chose comme ça. Donc ici, je pourrais me faire une protected function validate fields qui renverrait une réponse ou pas. D'accord qui renverrait une réponse ou pas. Et en fait, je pourrais prendre ce code-là. Je pourrais le couper, je pourrais le mettre ici. Et en voyant que si tout le for each est passé sans qu'on retourne rien, je pourrais dire return nul. Voilà. Je ne sais même pas si c'est nécessaire de le dire en fait. Euh, ou false, ou peu importe. Et donc ici, ce que je pourrais faire, c'est dire if response égale this. Euh, validate field, return, response. Est-ce que j'ai tout pété ou pas Non, ça marche parfaitement bien. Alors, bon, la question euh, qui va... Oui, pourquoi pas Protected, Frédéric Si tu veux ensuite hériter pour pouvoir éventuellement la... Dans, dans l'héritage que tu vas faire, pouvoir éventuellement la modifier. Qu'est-ce que tu ferais toi, Frédéric bah, C'est super. On a Frédéric, les amis, vous vous rendez compte un peu Mais vous, vous rendez compte de la chance que vous avez quand même c'est incroyable. Vous venez sur un live de, et vous avez Frédéric Bouchéri qui est là. Donc euh, à un moment, euh, je veux dire, bon, est-ce qu'on a de la chance ou pas C'est Noël, franchement. C'est Noël. Alors du coup, oui, mais toi, mais, voilà, voilà. Alors Frédéric nous dit, vous voyez pas à l'écran parce que j'ai désactivé le, la boîte de chat. Frédéric nous dit non. En fait, euh, je me mettrai en privé par des, voilà, et j'allais y venir, j'allais y venir, voilà, parce que lui est vraiment masochiste. Et il met la classe en finale. Voilà. Euh, alors simplement, euh, tu l'aurais mis en privé, en sous -ent... et en plus tu aurais mis la classe en finale en sous-entendant du coup que personne ne va jamais en hériter. <laughs> et Steve, voilà, qui vient, euh, qui vient dire qu'il est d'accord. Mais du coup, vous voyez, là c'est vraiment, on est dans l'élitisme, pardon, mais genre évidemment qu'un jour un développeur va avoir envie de euh, de, de surcharger cette classe peut-être d'en hériter de surcharger les méthodes etc mais c'est vrai que je vois que vous vous êtes en mode euh, sécurité genre tout est fermé sauf ce que j'ouvre bon écoutez moi j'estime que quand même euh, avoir des trucs protégés et une classe qui est pas finale c'est pas non plus être ouvert à tous les vents c'est euh, être euh, voilà c'est tranquille quoi ok tranquille euh, donc je vais garder ça comme ça si vous ne si vous ne m'en voulez pas je vais garder ça comme ça pour l'instant mais attention, euh, moi je fais ça, mais il faut suivre ce que dit euh, Frédéric. D'accord Si Frédéric dit qu'il faut mieux faire du... Il a fait une conférence, hein, tu as fait une conférence Fred là-dessus, hein, sur le fait qu'il vaut mieux garder le final et mettre tout en privé, pour être sûr que si jamais un jour un développeur a envie d'hériter, il sache vraiment que pourquoi il est à justifier de pourquoi puisqu'il va aller carrément modifier le final, le privé, etc. Mais euh, bah en tout cas, voilà, allez, n'oubliez pas les amis. Ça, c'est une grande chance qu'on a dans la communauté PHP, c'est d'avoir, euh, voilà, vous avez Fred Boucherie, vous allez suivre son Twitter, vous allez suivre son YouTube, très très important, vous le voyez dans le chat, vous cliquez sur son nom, vous vous abonnez à sa chaîne, c'est des conférences d'une grande qualité, vraiment c'est très très important pour bien apprendre le PHP, euh, je regarde euh, avec assiduité. Donc, ok, on avance, on a un projet qui avance, ça c'est cool, nouvelle fonctionnalité, et on va comme ça avancer, fonctionnalité après fonctionnalité. Euh, nouvelle fonctionnalité de notre, de notre ami le client, donc, notre ami le client me dit Mais tu sais, s'il n'y a pas d'auteur et qu'il n'y a pas de contenu, d'accord S'il n'y a pas d'auteur et qu'il n'y a pas de contenu, alors le message, ça devrait être Ben, les champs auteur et content sont manquants. Donc, en fait, sous-entendu, il faudrait que le message. Il bouge en fonction de si on a un seul champ qui manque ou plusieurs champs qui manquent. Et s'il y a plusieurs champs qui manquent, on voudrait obtenir la liste des champs qui manquent. Donc là, bon, d'abord, la première chose qu'on se dit, c'est que le client commence vraiment à nous faire chier avec ses histoires. <laughs> Parce que ça fait un moment maintenant qu'on bosse pour lui. Et on se rend compte en fait que tout ce qu'on a codé ici, ben, ça va encore une fois évoluer. Donc allons voir comment est-ce qu'on va pouvoir s'y prendre. Bon. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est un nouveau test. Hop et donc, effectivement, on reviendra sûrement à ce que nous disait... Euh, qui disait ça déjà euh, C'était euh, Brice qui nous disait qu'on va utiliser un Data Provider. Je pense que c'est ce qu'on va faire très bientôt puisqu'on va se rendre compte finalement que nos tests sont strictement identiques. Et donc, ici, je vais créer un nouveau test. Test. Je vais l'appeler exactement comme on l'a fait là-haut. It can save a tweet without content. Ben là, je vais dire It can't save a tweet without... Autor and content. Et donc on va repartir, on va faire exactement le même test, mais sauf qu'on va rien donner dans le post. Et donc on va uniquement appeler directement notre contrôleur et on va voir ce que ça donne. Hop Je vais balancer ici. Hop et, euh, et donc ici, le message que je voudrais, c'est le champ Autor, et je veux dire même les champs Autor, virgule, Espace content sont manquants. Là vraiment il nous casse les bonbons le client parce que ça je sens je le sens ça va être très chiant à implémenter. Voilà, j'en ai marre, <laughs> j'en ai déjà marre, ça va être vraiment chiant. Donc mon test passe au rouge, ça me donne la possibilité d'aller coder test rouge. On va coder le minimum vital manquant avec un s euh... manquant avec un s tout à fait c'est ça. Mais j'en peux plus là voilà déjà là le client j'ai envie de le tarter. j'en ai marre. Parce que c'est bon, on avait compris qu'on pouvait... En fait, le but, c'est quand même de valider plusieurs champs à la fois. Parce que imaginez un formulaire où vous avez 10 champs. Si en fait, il ne vous valide qu'un champ à la fois, potentiellement, vous allez cliquer 10 fois sur la soumission. Hein, parce que bah, vous avez oublié votre prénom. Après, il va dire, bah, vous avez oublié le nom. Vous avez oublié le ci, le ça. Et donc, du coup, on est obligé de, à un moment donné, faciliter la tâche de l'utilisateur en lui disant, mais voilà, il te manque tout ça, comme ça, on corrige tout et on est content. Donc, ça veut dire qu'on va devoir travailler sur Validate Fields. Et ça veut dire qu'on va devoir travailler sur euh, SaveTweet Tweet ici aussi. Alors, Validate Fields, ici, ce qu'elle fait, c'est que on dit qu'elle va nous retourner une réponse ou du nul. Alors, moi, je pense que euh, effectivement, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on boucle sur les champs et qu'on arrive à sauvegarder quels champs sont mauvais. Je pense que c'est ça qu'il faudrait faire. Et ensuite, on aura deux alternatives. Même trois, je dirais. Si aucun champ. N'a été invalide, on va retourner rien du tout. Si un chant, un seul, a été invalide, on va retourner la phrase au singulier. Et si plusieurs chants ont été invalides, on va retourner la phrase au pluriel. Je pense que c'est à peu près OK, ça. Tiens, salut Yo Ah Salut Yo Bienvenue Quel plaisir Ah, le frérot Ça, c'est le frérot. Le frérot qui m'a rejoint. Alors, du coup, on va essayer un petit algo à la con ici, comme ça. Tac, tac, tac. Euh, donc, on va ici avoir invalid fields et ça sera un tableau vide. Voilà, tout simplement. Et du coup, quand on va boucler, au lieu de retourner des réponses, ce qu'on va faire tout simplement, c'est que si le champ n'est pas bon, et eh ben tout simplement, on va dire invalid fields euh, et on va rajouter ici le field en question. Ok. Et alors là, maintenant, on va partir dans différentes situations. If, si euh, bah, empty s'il n'y a rien dans invalid field, ok, alors on va pouvoir return rien du tout, voilà, Bien. on va return nul ou rien du tout Bon, rien du tout, on va dire, ok. Si par contre, il n'y en a qu'un seul de champ, donc if count invalid fields égale 1, alors là, c'est la phrase au singulier qu'on veut, donc on va retourner une new response qui va avoir la phrase au singulier, donc la phrase c'était le champ ah putain, mais il faudrait du coup extraire le lourd. Voilà, le client, là, je le déteste. Et ça, après, il va falloir refactoriser, évidemment. Le client relou. Et donc ici, ce qu'on va dire, c'est qu'on va dire, ben, euh, field, c'est égal à, euh, bah du coup, en fait, euh, invalid field. Tout simplement, dont on prend le tout premier élément. Hein. On fait un, un shift quoi, un pop. Et donc ici, on a le field, le champ field est manquant, et le statut doit être un statut 400. Ok, très bien. Et sinon, et alors là, ben dans tous les autres cas, ça veut dire que si on n'est pas passé par le premier return et si on n'est pas passé par le deuxième, c'est que forcément, on est dans le cas où il y a plusieurs champs qui ne sont pas bons. Il y a les plusieurs champs qui sont pas bons. Euh, tac, 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 tac. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est faire une espèce de jointure de tous les champs qui ne sont pas bons avec une virgule et un espace. Donc on va faire un implode. Si je dis pas de conneries, c'est ça. Donc on va dire ici, return, new, response. Et allez, on est parti. La première chose qu'on va faire, c'est la phrase. Donc la phrase, c'est les champs. ok. Et là, ici, il faut faire un implode avec le tableau des invalid fields. Euh, donc est-ce que je peux interpoler ce truc Hop, implode. Euh. Non, pourquoi il n'est pas content Non. Bon, vous savez quoi, on va le faire de cette façon-là. On va même faire ici, pourquoi pas un sprintf, ça sera plus simple. Et on va dire, allez. Les champs. Et ici, on va avoir un trou dans le texte qu'on va remplir plus tard. Les champs sont manquants. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce trou On va faire un implode avec une glue qui sera virgule espace de invalid field. Euh, ouais, et par contre, il faut quand même rajouter le statut 400. Alors, normalement. Alors là, il n'est pas content parce que euh, ici, évidemment. Il veut que je retourne soit une réponse, soit nulle. C'est ça ton problème C'est ce type int là qui lui pose un problème. Ok. Empty, c'est interdit dans tes équipes. Alors qu'est-ce que tu fais toi Fred Tu fais du array qui existe et puis ensuite tu fais du... Tu fais de la vérification de chaîne vide. Comment tu t'y prends toi Fred pour gérer ça On va voir. i7 euh, le MT, le MT, moi, je le trouve intéressant parce que I7, ça te dit juste si elle existe ou pas. Mais peut-être qu'elle existe, mais que c'est une chaîne vide. Alors que le MT cumule les deux. Ça existe et c'est une chaîne vide. Donc toi, qu'est-ce que tu nous racontes, Fred False, nul, explicitement. Chaîne vide, donc, éventuellement, explicitement chaîne vide. Donc dire, ok, s'il si euh, si est là ou s'il si est pas là, et s'il si est là, est-ce que c'est une chaîne vide Ouais... Donc, double vérification, I7 et chaîne vide, avec un trim. Wow! Vous savez que MT fait ça en fait. <laughs> J'aime bien vous lire. J'aime bien vous lire. MT fait ça en fait, euh, Pierre. Hein. Mais, mais bon. Après, non, effectivement, le MT va être trompé. Ça, c'est une, une très bonne remarque, euh, Pierre. Le MT serait trompé si on envoyait par exemple deux espaces. Alors qu'avec une vérification, euh, avec le trim et tout ça. Donc j'espère... Bon les amis, en tout cas ceux qui regardent la vidéo en rediffusé, regardez le chat. Sinon vous ne comprenez pas à qui je parle. Là, vous avez l'impression que je suis complètement con. Hein, regardez le chat. Voilà. Euh, bon, en tout cas, là maintenant est venue l'heure de la vérification. Ça fonctionne. Ok. Ça fonctionne. Alors, quelle est, euh, quelle est la possibilité de refacto de ce truc-là Dans quelle merde je me suis foutu Ouais, c'est ça le problème quand on improvise, d'accord Ça c'est quand on improvise, on arrive à des moments où on se dit mais pourquoi j'ai fait ça Je suis vraiment un connard. Euh, salut Junior et De rien, ben voilà. Salut du Pérou nous dit Junior et on est regardé au Pérou les gars. Est-ce que vous avez vu des, des gens, des gens qui sont visionnés au Pérou Jamais, il y a que moi ça, ça n'arrive qu'à moi ça. Euh, non, donc là voilà, là. Il faudrait qu'on arrive à refactoriser quelque chose. Alors, refactoriser quoi Ça, c'est une bonne question. Il faudrait que je vois si éventuellement... Là, il y, y a une remarque qui a été faite dans le chat qui est très intéressante. C'est que est-ce qu'à ce niveau de complexité, on n'est pas censé, à minimum, se dire que ça, ça va devoir sortir. Que ça, ça serait bien que ça sorte, en fait, de la classe Tweet Controller. Que ça devienne, par exemple, une classe... Euh, tweet validation ou quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, vraiment sortir ce, cette complexité-là. Alors, l'avantage en plus, l'avantage du fait d'avoir une classe tweet validation, ça serait qu'on pourrait du coup écrire une classe de test pour cette classe-là. Et donc, on pourrait vraiment tester que tout marche toujours bien par rapport à ça. Et ça, ça serait pas débile, les amis. Donc, en attendant, cette fonction, j'estime je qu'elle est testée déjà, puisque étant appelée ici, alors ça aussi, c'est un grand débat dans la, dans la communauté, quand on teste. Est-ce que, à un moment donné, on estime que cette fonction qui est protégée, qui est un détail d'implémentation de notre contrôleur, elle est là, et elle est testée, même si je n'ai jamais écrit de test explicite pour cette fonction-là. Donc, vous voyez, euh, même moi, hein, je, je tâtonne, hein. j'ai beau lire euh, le bouquin de Ken Beck, j'ai beau lire ceci, j'ai beau lire cela, voilà, m'intéresser. Je tâtonne. Je vois bien qu'il y a des débats, en tout cas, dans la communauté. Par contre, une chose que j'aimerais vraiment faire, là, les amis, c'est ça. C'est euh, euh Brice qui a rappelé ça dans le chat tout à l'heure. Ici, vous voyez bien que mes trois fonctions, mes trois tests sont strictement identiques. D'accord Le premier test va tester qu'on a bien un message d'erreur et un statut 400 si on a le contenu mais pas l'auteur. Le deuxième test va tester qu'on ait bien un certain message d'erreur et, et un statut 400 si on a l'auteur mais pas le content. Et le troisième test ici va bien tester qu'on a un certain message d'erreur et un statut 400 si on a ni l'auteur ni le content. Donc, on a, vraiment ici, euh, on a vraiment ici, du coup, le, le cas typique d'un test qui se répète systématiquement. Et donc, oui, on va partir sur une classe de validation, me disent les gens du chat, genre, j'aurais intérêt à le faire. Donc, ici, ce que je vous propose en attendant, c'est qu'on refactorise nos tests. On a fait nos tests, on les a fait passer au vert, on a refactorisé euh, un peu de code de prod, on a fait passer tout ça au vert, tout est nickel. Maintenant, c'est le code de test qui va m'intéresser. Alors, pour ça, on va utiliser... La fonctionnalité des data providers. Alors qu'est-ce que c'est un data provider Vous remarquez que donc ces tests sont les mêmes. En fait, ils s'appuient tous sur le fait que $post est soit une valeur vide, ça c'est le dernier test qu'on a fait, hein, qu'il n'y ait rien dans $post, ou que $post ne contienne que autor, donc soit un tableau qui a une clé author, ou que $post soit un tableau qui a une clé content. Ok. Et chacun de ces tests, la seule différence qu'il va y avoir, non seulement c'est à quoi ressemble le tableau post, mais quel est le message d'erreur qu'on attend Alors là, ce qu'on peut faire, c'est la chose suivante. Imaginez, d'accord, imaginez que je me crée ici un nouveau test, d'accord Test. Et on va dire la chose suivante. It. Ouais. It. Ah d'accord, la musique, je suis con. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette musique oui, d'accord. Un nouvel abonné. Alors, qui c'est C'est Fred Droguest. Non, c'est pas Fred Droguest qui vient de s'abonner. Qu'est-ce que je raconte Je les ai pas. Je les ai pas, moi, les gens. Je vois pas. Bon, peu importe. J'ai encore du boulot à faire hein, sur le stream. Hein. C'est pas encore ça, le stream. Donc, le, voilà, le direct, c'est pas encore vraiment mon truc. Et donc, on est reparti. It can't save a tweet if fields... Are missing, ok? Donc je fais une fonction qui maintenant est plus générique. C'est pas juste l'auteur, c'est pas le content, c'est pas euh, les deux, d'accord? C'est plus générique. Et imaginez qu'ici on reçoive systématiquement, donc ici, un tableau qui s'appelle, donc voilà, un tableau qui va s'appeler data, ok? Alors on va même appeler ça. Pourquoi? Bon data, ça me va, ok? Je vais recevoir des données. Imaginons que ce tableau data, d'accord? C'est un tableau qui va contenir. Euh une clé poste qui lui-même sera un tableau où il y aura écrit euh, author voilà Dior d'accord par exemple et euh, que je dise pas de conneries c'est moi qui me trompe je me trompe c'est pas un tableau ici qu'on va recevoir ici on va recevoir post data et ici on va recevoir error message et du coup c'est ça que le data provider va devoir nous filer je crois hein, si je dis pas de conneries ok donc imaginez que je dise à PHP Unit quand tu appelles ce test là, tu vas lui passer post data et erreur message. Imaginez que post data ce soit un tableau et erreur message ce soit une chaîne de caractères. Ok, on est parti. Ici ce que je vais pouvoir faire c'est je vais vraiment je vais copier coller ce test qui est ici. Donc c'est le même que tous les autres tests qu'on a créés, sauf qu'ici au lieu de dire dollar post content égal tweet de test, ce que je peux dire c'est dollar post c'est égal à post data. Et j'imagine que dans post data on va m'envoyer un tableau, ok Ce que je vais pouvoir faire aussi ici, c'est au lieu de dire le champ auteur est manquant, je vais dire je veux tester le erreur message qu'on m'aurait passé, ok Alors maintenant, ce qu'il faut que j'explique à PHP Unit, c'est que attention, quand tu vas appeler cette fonction, attention, quand tu vas appeler cette fonction, il va falloir lui soumettre une variable post data et une variable erreur message. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça Parce que là, si je lance mes tests, PHP Unit va péter un câble. Il va me dire, mais je ne peux pas appeler la fonction que tu viens de créer, puisque tu lui demandes des paramètres, et moi, PHP Unit, je ne sais pas quoi lui passer. C'est à ce moment-là qu'un data provider est intéressant. Alors, créons-nous un data provider juste à côté, pour des raisons de visibilité. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une public function, et je vais l'appeler, hmm, comment je vais l'appeler, euh, missing fields. Provider, ok. Et alors cette fonction missing de provider, cette fonction, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir dire la chose suivante. Elle va retourner un tableau, d'accord. Et chaque élément de ce tableau, ça va être d'autres tableaux, ok. Euh, c'est ça. Chaque élément de ce tableau va être un tableau. Alors comprenez bien que ce tableau qui est là représente les paramètres à passer à un test ok j'espère que euh, vous comprenez bien ce que je vous raconte j'espère que vous comprenez bien ce que, ce que je vous raconte donc moi quand j'appelle la fonction ici it can save a tweet if fields are missing je veux lui passer d'abord un tableau qui représentera les données post et une chaîne de caractères qui représentera le message donc ici ce que je vais faire c'est que je vais vraiment représenter ça premièrement donc premier paramètre ici je veux représenter le post en disant qu'il y a un content mais qu'il n'y a pas d'auteur. Donc, j'imagine que mon tableau poste, ce sera content, flèche, test de tweet. Mais vous voyez que je ne mets pas d'auteur. Quel est le deuxième paramètre que je vais envoyer Un message d'erreur. Donc, le message d'erreur que j'aimerais tester ici, c'est... Le message d'erreur que j'aimerais, c'est... Euh, le champ auteur. Auteur, pardon. Et manquant. Donc je ne sais pas dans quelle mesure j'arrive à être clair pour les gens. On peut utiliser, comme le dit Brice, la fonction yield pour pouvoir faire ici un générateur. Et plutôt que d'avoir des tableaux dans des tableaux dans des tableaux, parfois c'est un tout petit peu plus joli, effectivement. Alors ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va en faire un deuxième de tableau comme ça. On va dire la deuxième fois que tu vas appeler cette fonction, le tableau de poste, ça sera un tableau avec autor qui sera lior, mais pas de content. Et donc là, le message d'erreur devrait être le champ euh, content. Est manquant et la troisième fois que tu vas appeler cette fonction tu lui passeras les informations suivantes le poste sera un tableau vide il n'y aura ni auteur ni content et le message sera les champs auteur content sont manquants donc vous voyez ici que j'ai créé une fonction qui va me retourner une collection de paramètres chaque tableau représente en gros c'est une collection d'appels de fonctions et chaque petit tableau représente les paramètres à passer à la fonction. Et regardez comme c'est magique. Maintenant, je peux venir dans la PHP doc qui se trouve ici, euh, et je peux dire à PHP Unit, tu sais, non seulement cette fonction est un test, mais en plus, tu vas te servir comme data provider pour appeler cette fonction de la fonction missing fields provider. Et donc, si je ne dis pas d'énormes conneries, est-ce que ça marche comme ça J'ai une grosse connerie de toute façon, il suffit de tester. Non, ça marche parfaitement bien ça. Et alors du coup, les amis, j'espère que vous comprenez bien, ce que fait PHP Unit ici, c'est quoi C'est qu'il appelle cette fonction trois fois. Pourquoi Parce qu'il va, avant d'appeler cette fonction, il va appeler la fonction qui est ici, Missing Fields Provider, et il va récupérer ce tableau. Et il va boucler sur ce grand tableau, et il va tout simplement appeler la fonction une première fois en lui passant ses paramètres. Une deuxième fois en lui passant ces paramètres et une troisième fois en lui passant ce paramètre. Et donc, est-ce qu'on est tous bien d'accord, les amis, que finalement les tests précis que j'avais fait un sur l'auteur, un sur le contenu et un sur les deux ne servent plus à rien. On peut les dégager tout simplement, tout bonnement. Et quand je relance mes tests, je sais que je n'ai pas régressé, tout va bien, j'ai toujours mes fonctionnalités, elles sont propres et elles sont là. Magnifique. Euh, bon, on a bien avancé. Donc, on a notre provider que je vais déplacer pour des raisons de lisibilité. Maintenant, je vais pouvoir le déplacer tout en bas. Alors, ce que je peux faire, c'est éventuellement même le. J'aurais même carrément, si je... si je me rappelle bien de la doc, je crois que j'aurais même pu le mettre carrément dans une classe différente, mon provider. Comme ça, j'aurais pu le. Comme ça, j'aurais pu le. Comment, Comment dire J'aurais pu l'utiliser dans d'autres classes éventuellement. Et donc là, je vois que je suis pas mal. Alors. Il me reste simplement éventuellement à refactoriser ce code. Je crois qu'il y a eu unanimité sur le chat, à moins que je me trompe. Comme vous êtes vraiment des salauds. Vous voulez me faire bosser. Il y a eu unanimité a priori sur le fait qu'on déplace le traitement de la validation dans une classe de validation faite exprès. Euh, ce que je valide plus ou moins, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Ouais Qu'est-ce que vous en pensez Allez, votez. Il faudrait que j'utilise Stropol. Votez les amis. Voter. <laughs> est-ce qu'on déplace ou pas Alors option supplémentaire. Est-ce qu'on déplace en créant une classe de test Oui, il faut bosser, me dit-on. Plus un, plus un. C'est vraiment des saltimbanques, hein, des saligots. Ok. Alors question. Est-ce que je crée la classe de test qui va avec ou est-ce qu'on estime que de toute façon ce code-là fonctionne bien Alors Fred me dit oui, mais sans les super globales. Bon, donc il faut créer une classe request, Fred. C'est ça que tu es en train de me dire. Ou alors un tableau. Alors Fred, il nous dit, les gars, dis-moi si je me trompe, hein, si je surinterprète tes propos, mais tu es en train de me dire, tout est bancal avec tes super globales. Il faut que tu reprennes ton, ton, ton code à zéro parce que c'est pas beau d'utiliser ces super globales. Oui, ou injecter les data. Hum, tu veux dire, en fait, plutôt que de nous reposer au sein du contrôleur sur post, au moment du save tweet, se faire injecter tout simplement, ben les données du poste. un tableau. C'est ça que tu nous dis Non, il faut oublier les super globales. Point. D'accord. Oui. Bon. Ok. Bon. Ben les amis, le prof de Lior a parlé et Dior en tant que petit étudiant va euh, obéir. Donc ce qu'on nous demande, la prochaine mission qu'on nous demande, et là c'est pas le client. Vous voyez, c'est le chef de projet, c'est Fred qui le demande là. C'est plus le client là. Le client il est plus dans l'histoire là. Maintenant, il y a le chef de projet, donc le lead dev, il vient me voir et me dit, bon, t'es bien sympa, mais c'est de la merde, ton code. Parce que tu utilises des super globales partout, comme c'est des super globales, il ben, y a trop d'effets de bord, on peut les toucher ici, on peut les toucher là, et du coup, ça fait que ça fout le bordel là-bas. Euh, injecte, ton, injecte ton poste dans la classe de validation. Oui, mais attends, est-ce que Fred, est-ce que tu es en train de me dire que je me débarrasse complètement de la super global c'est-à-dire vraiment complètement, et qu'en fait, depuis le départ, donc depuis le point d'entrée, je transforme mon poste en une classe request, voilà, que je puisse simuler, ou est-ce que tu es en train de me dire que, non, pour l'instant, c'est bon, tu peux garder tes super globales, simplement, dans ta classe de validation, tu n'utilises pas le poste, tu te fais injecter un tableau. Ça, je suis d'accord. Avec ça, ça Fred, là-dessus, je suis d'accord. Mais moi, ce que je peux faire aussi, c'est carrément créer une classe request, qui va représenter une request. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce qu'on en pense en gros, on va recréer un HTTP Foundation, quoi. Si on n'était pas trop con, d'accord Si j'étais pas trop con, qu'est-ce que je ferais Composer, require, uh, HTTP Foundation, et on aurait fini. On d'accord Alors non, donc mon chef de projet, a priori et formel, créons une classe request pour ne plus avoir. À se trimballer, que ce soit le poste ou que ce soit le get à aucun endroit, il faudrait qu'on ait une classe qui nous permette de représenter une request. Ok Alors, qu'est-ce que c'est une request euh, Une request, c'est des données en poste C'est euh, au boulot et j'implémente la PSR7. Alors, qu'est-ce qu'on me raconte ici Au boulot, implémente la PSR7. La PSR7, c'est celle qui euh, représente la request interface Request et, euh, request et response interface, c'est ça donc la PSR7, qu'est-ce qu'elle nous demande euh, On voit les références. Donc on a request interface et response inter interface. On peut pas les lire leur putain d'interface. Mettez-nous l'interface. Faudrait que je le lise moi tout ça, tu vois. C'est là où tu vois que les gens ils sont forts, ils ont, tu vois. Il y a trop de choses à apprendre dans ce métier, c'est ça le problème. temps à jamais terminé, quoi. Euh, tac tac tac. Server side request. Non, mais ça c'est au cas où tu fais une, une sub request. À aucun moment c'est qu'on là il vous montre ce qu'elle dit l'interface. Ça c'est une blague. Quelles sont les méthodes à implémenter On ne le saura jamais. Bon, j'imagine que c'est get set etc. Là, voilà message interface. Excusez-moi. On a message interface ici. Et on a la request interface qui j'imagine va étendre la message interface. Ok. Mais c'est trop de boulot. <laughs> c'est pour ça que Tom il me dit au oh, boulot. Non mais là c'est là c'est trop de boulot là. Moi je fais pas ça. Moi je veux bien créer une petite classe request. Allez, ça je veux bien. Donc ce que je vais faire, c'est que de la même façon. D'accord? De la même façon que j'avais une classe response, je peux très bien avoir une classe request. Alors, la classe request, comment est-ce qu'elle va fonctionner? Oui, c'est une vanne. Oui, voilà, parce que là, là tu m'as fait peur, Tom. Je t'avoue que là, tout de suite, je ne je partais pas là-dessus. Hein. Non, non, non. Oui, voilà, j'ai rien prévu cet après-midi. Si, si, j'ai des choses prévues cet après-midi. Je ne vais pas partir là-dessus tout de suite. Non, 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 non. Par contre, voilà, effectivement, là, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais me créer une petite classe request. Et on va partir du principe que cette classe request, elle a, allez, un champ, c'est un tableau. D'accord C'est exactement ce que j'ai fait avec mes étudiants il y a deux semaines. C'est un champ data, ok, et une méthode set et get. Allez, on va voir ce qu'on peut faire. Allez. Donc pour ça, je peux pas coder si j'ai pas de test, donc on est parti, on va créer une classe de test. Donc je vais me créer un fichier new file http slash request -test .php. On est parti, alors très rapidement, voilà, je vais pas non plus faire un truc incroyable. Request test qui extends de test case. Voilà. Et donc, ça nous permet de nous poser la question par quel test on va commencer. Donc j'ai besoin d'une classe, c'est mon chef de projet, Fred Boucherie qui vient me voir, il me dit voilà, euh, ton code c'est de la merde, bouge ton cul, crée-moi une classe pour représenter la request comme ça on va découpler notre code de des super globales parce que les super globales, c'est dégueulasse. OK. Alors bien sûr, comme c'est un bon chef de projet, il m'en dit pas plus. Voilà. Il me dit, maintenant, tu te démerdes. Alors, je me pose la question. J'ai besoin d'une classe request qui va, en gros, contenir des données, contenir éventuellement, pourquoi pas, la méthode, si on veut vraiment représenter. Et théoriquement, elle devrait aussi avoir, pourquoi pas, l'URL, le pass info, on va dire. Pour ça, à la limite, on verra un peu plus tard. Euh, alors, allons-y. Allons-y tout de suite. Le premier test que je pourrais écrire, c'est... Euh Compliqué le premier test pour une classe. Test, euh, bon, vous me direz le premier test, c'est test qu'on peut instancier une request. Hein? Euh, we can instantiate a request. Alors, ça c'est un peu con, mais c'est un test euh, qui, qui va me permettre en tout cas d'avancer. Request c'est égal à une new, et là je vais dire que je pars dans le namespace Twitter. HTTP request. Allez, partons là-dessus. Comme j'ai du rouge, j'ai un problème de compilation, une erreur de compilation. Ça veut dire que mon test euh, est foiré et donc ça veut dire que je ne peux pas avancer plus tant que je n'ai pas écrit le code qui répond à ce test. Alors bon, là, c'est euh, un peu hardcore hein, ce que je vous dis, mais grosso merdo, il faut que je vienne ici, obligatoirement, me créer ma classe request et que je me mette dans le bon namespace. Donc nous sommes dans Twitter HTTP et que je crée ma classe request. Tout simplement. Est-ce que le code que j'ai écrit est suffisant pour répondre aux problèmes qu'on avait ici, au problème de computation qu'on avait ici Tout à fait, il l'est. Et ça va me permettre éventuellement aussi de me passer ici de ce namespace comme ça, tac, et de rajouter mon petit use en haut. Sublime. Donc test weekend instantiate a request. Alors, on pourrait quand même rajouter une assertion de plus parce que là, là, ça sert pas à grand chose. Donc ce qu'on pourrait se demander, c'est dire euh Qu'est-ce qu'on pourrait se demander par rapport à cette request hum, Je ne sais pas. Non, je pense que c'est tout. Alors, maintenant, ce qu'on va tester, c'est le fait qu'on puisse injecter dans cette request un ensemble de données, euh, par exemple, que ce soit du POST, ou que ce soit du GET, ou que ce soit. Bref, il faut qu'on puisse lui injecter un tableau de données. Euh, comment fonctionne ta classe Regarde le test nominal. OK. Salut Ratiba, merci. Euh, le test nominal dit comment la classe marche. Bah théoriquement, comment la classe marche ici Il faudrait lui passer un, qu'on puisse lui passer un tableau avec des informations, comme par exemple, je sais pas moi, auteur, voilà, auteur, lior et euh, Content. Tu vois, ici en fait, ça serait un tableau des paramètres. Peut-être que ça pourrait être le tableau qui représente autant le GET que le POST, par exemple et euh, ben bah le tableau request en fait finalement qui est en fait une fusion entre get et post on pourrait lui passer ça ou alors ma request aurait comme dans http foundation moi je voulais pas faire me faire chier mais elle aurait une propriété query qui représente les get une propriété euh, euh, je sais pas moi post qui représente le post je sais pas ce que vous en pensez je sais pas ce que vous en pensez. Là, là, je me sens un peu seul. Hein, je vous avoue. D'où l'idée quand même que la prochaine fois, le prochain live, je le préparerai en amont quand même, en me disant voilà, qu'est-ce qu'on va aborder, où on va aller. Euh, get post cookie. Moi, je pense que les gars, je pense que vous êtes en train de me faire trop chier pour l'instant et qu'on n'a pas besoin de tout ça et que donc ici, ça sera euh, contenu à la con. Voilà. Donc ça, c'est le test nominal. On lui passe un tableau avec des informations. Euh, éventuellement, ce qu'on pourrait lui passer, c'est une URL pour représenter une URL. Et encore là, vraiment, j'ai pas. Trop besoin de ça et on pourrait lui passer une méthode pour représenter, euh, voilà, pour simuler le fait que on fasse une méthode. Ok. Et donc là ici, ce que je peux faire, c'est this assert euh, equals lior si je demande request flèche get et là je vais demander author tout simplement. Et là je vois que j'ai une erreur de compilation donc je peux pas continuer. Il faut que j'aille implémenter la méthode get. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le minimum de code donc public function get qui euh, retournera en fait on sait pas ça retournera du mixet donc on va rien mettre et get ici prendra en paramètre tout simplement une string qui sera la clé que l'on recherche et donc ce que je vais faire c'est que le minimum de code pour répondre à ce test là c'est que get autor renvoie lior donc ce que je vais faire ici c'est que je vais dire return lior euh, ok est ce que je peux lancer mes tests actuellement tout est vert donc je réponds bien aux bonnes choses et donc là ce qu'on va pouvoir faire c'est rajouter un assert equal donc this flèche assert equals contenu à la con que ce soit bien le contenu de request Flash get content et là du coup évidemment si je lance mes tests je suis rouge puisque mon test ici ne tient pas compte de tout ce qu'il faudrait alors pour que ça fonctionne tout ça ce qu'il me faudrait c'est tout d'abord un tableau, donc protected array data, on va appeler ça data qui par défaut sera vide. On va, tu me diras le défaut, je ne le mettrai pas ici, le défaut, je le mettrai sur la fonction construct. On va se créer un constructeur, donc public function construct, qui recevra un tableau qu'on va appeler data et qui sera par défaut un tableau vide. Et là, on a du coup la notion de valeur par défaut et on va ici mettre en place nos data. Maintenant, dans ce qu'on va vouloir retourner, ce qu'on va vouloir retourner en fait, c'est plutôt. This, flèche, data, crochet, clé. Est-ce que mes tests passent avec cette nouveauté Tout passe, nickel chrome. Merci, ok, ça me semble parfait. Euh, alors, qu'est-ce qu'il va y avoir de problématique Alors, problématique qu'on pourrait tester ici this, assert, euh, assert nul certes nul, j'aimerais qu'on m'asserte que ce soit nul si je demande request, get, inexistant, d'accord Un champ qui n'existe pas. Et donc, hop, je vais balancer. Et là, je vois que ben, ce truc-là ne marche pas. Ça devrait me renvoyer nul. Et au contraire, ça me fait une erreur. Donc, ce que je peux faire, c'est dire attention, si la clé n'existe pas, alors on retournera nul. Ok. Est-ce qu'on est, qu est d'accord que pour l'instant, ça me suffit Pour représenter le post, le get, etc. C'est bon. J'ai une request, là ça me suffit amplement. OK Donc ce que je peux faire maintenant, c'est que je vais aller mettre à jour mes différents tests unitaires, notamment le test qui travaille sur le tweet controller. Et alors du coup, l'avantage c'est que comme je ne vais plus utiliser les super globales, je n'aurai plus besoin de mettre de travailler sur le post. Ça, c'est propre. Donc Ici, en fait, partout où on voit que je parle du poste, je vais le remplacer par ma classe request, la nouvelle classe que j'ai créée. Donc partout où je parle du poste, maintenant, je pars du principe, en tout cas, mon chef de projet, Fred, me dit, maintenant, ça suffit tes conneries, tu travailles avec la classe request. Ok, donc on est parti. Ici, pour remplacer ça, il me suffit de créer une request, qui soit une new request, et je vais lui passer ici un tableau avec l'équivalent du poste, autor, lior, et content mon premier tweet, et donc là, je vais supprimer ce post, sublime, ensuite j'appelle mon contrôleur et je lui donne et j'appelle save tweet, et alors là évidemment si je lance mes tests il y a tout qui va péter, parce que mon contrôleur dans la fonction save tweet il s'attend finalement à retrouver les informations dans le post, mais c'est plus possible. Les informations maintenant, elles ne sont plus dans la super globale. Les informations, elles sont dans l'objet request que j'ai créé ici. Vous voyez, j'ai injecté des informations dans l'objet request. Donc, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est tout simplement que je passe ma request à la fonction saveTweet pour qu'elle puisse s'y retrouver. Et donc, ici. Et donc, ici. Oh, tac, 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 tac. Ce que je vais faire, c'est que je dis que saveTweet va demander, va dépendre d'une request. On doit lui passer une request. OK. Alors pour l'instant, on va travailler uniquement là-dessus. Euh, et donc ici, je vais sauvegarder non pas POST author, mais bien REQUEST GET author, et non pas POST content, mais bien REQUEST GET content. Ok, magique. Alors là, évidemment, tout n'est pas passé au rouge. Moi, je vois que j'ai eu avant ça, j'avais huit erreurs. Maintenant, combien j'ai d'erreurs J'ai toujours 8 erreurs. Alors on, va les, on va les résoudre hein, une par une. Il doit y en avoir tellement, là, des erreurs, c'est l'enfer. Tac-tac-tac, euh... data set. Là, Ok, donc le premier test qui foire, c'est le tweet controller test. It can save a tweet if fields are missing. Et évidemment, de toute façon, à partir du moment où ma fonction validate fields n'est pas bonne, on va, ne on va pas y arriver. Donc là. ValidateFields, elle aussi, a besoin de recevoir la request pour pouvoir travailler. Et donc, je vais dire ici que ValidateFields s'attend à recevoir ici une request. OK. Et donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va dire, pour chacun des champs requis, je vais aller demander si dans la request je retrouve ce truc-là. Donc ce n'est plus du tout un empty post. OK. Je vais demander, est-ce que request get. De la clé, euh, non, c'est une connerie, c'est field. Est-ce que request get field et égal égal annule tout simplement. Et donc là, à ce moment-là, si je ne trouve pas dans la request le champ, forcément, ce champ est un champ invalide et on va pouvoir aller sur la suite du traitement. J'ai toujours huit erreurs. Too few arguments to function. Twitter save tweet zero past. Euh, Qu'est-ce que j'ai foutu? Save tweet, 0 past, alors ça c'est ici, dans mes tests, donc maintenant partout où j'utilisais le post, c'est ça le problème, c'est que là aussi, évidemment. Donc ici, ce que je vais vouloir faire, c'est remplacer post égale post data, encore une fois par la création d'une request. Je vais dire request, oula, request, c'est égal à une new request, et rappelez-vous ma classe request elle prend un tableau, ça tombe bien j'en ai un ici, c'est post data, qui représente les données de post, ou de get, peu importe. Et donc ici, je peux passer à mon contrôleur ma request. Je vais sauvegarder. Et tout est vert, parfait. Donc là, ici, j'ai bien fait en sorte que les super globales n'aient plus d'emprise sur moi. Donc mon code est encore plus testable, puisque regardez, je n'ai même plus besoin de réinitialiser ma variable post à chaque fois. Je peux systématiquement travailler avec ma classe request quand j'en ai besoin. Je mets en place une request, je vais simuler une request. Et je vais le passer. Et si vous regardez ma classe tweet -controller, effectivement, on ne parle plus jamais à l'intérieur ici de post. Je vais donc enfin pouvoir... Point d'archi intéressant. Ta request peut implémenter des interfaces du genre request-retriever et request-validation. OK. Il faudra aller plus loin, là, par contre, parce que tu me, tu me perds, Fred. Qu'est-ce que request C'est des interfaces PSR, ça Ça existe, ces trucs-là De quoi on parle Request... Ouais, voilà. Tu sais, Fred, il vient... Il... Après il vient, il te lâche un petit, tu vois, euh, il te lâche un petit truc comme ça, et genre, toi, tu dis, putain, voilà, voilà encore trois heures à chercher des documentations pour comprendre ce qu'il me dit. Non, d'accord, c'est quelque chose que tu as complètement inventé, sous-entendu. ainsi hein, ton save prend un request retriever et ton contrôleur un request validation. D'accord, je comprends, ok. Euh, comme ça, en fait, si jamais tu veux euh, des classes différentes, tu, tu fais de l'inversion de dépendance avec ça, c'est ça, en fait, ton but ton but, c'est qu'on fasse de l'inversion de dépendance là-dessus Donc là, pour le coup, je trouve qu'on va un peu un peu loin. Voilà, là, je trouve que tu abuses un peu. <laughs> là, il n'y a pas besoin, là, franchement. Regarde, là, vraiment, je suis... Euh, on dirait Symfony. Je suis sur du HTTP Foundation. L'idée, c'est que ton modèle n'aura pas connaissance du contexte de la validation. D'accord. Très bien. Oui, tu veux découpler tu veux découpler le plus possible. Là, je te dis honnêtement, j'ai pas vraiment le temps de m'y pencher mais on pourrait on pourrait y travailler. Dans tous les cas, est-ce qu'on est, qu est d'accord qu'on aura un peu on, aura, on sera bien heureux quand on aura une classe de validation des champs qui en plus pourrait être complètement indépendante. Ouais, il faudrait faire un zoom la prochaine fois. Effectivement, Raphaël a raison, à un moment donné, euh, vous viendrez sur le Discord en fait. Et vous viendrez sur le Discord à un moment donné, on pourra faire des discussions comme ça, ça serait cool. Alors moi, ce que je propose effectivement, c'est qu'on crée une dernière classe de validation. Cette dernière classe de validation, je peux écrire un test ou je peux ne pas le faire. Pourquoi Parce que comme j'ai ici un test assez robuste qui teste que tout, enfin tout va comme je veux quand euh, les champs ne sont pas valides, en fait dans ce test forcément j'appellerai la nouvelle classe que je vais créer. Donc pas forcément. Pas forcément intéressant de créer une classe de test pour la, la classe de validation que je vais créer. Alors on va quand même essayer de faire ça tranquillement. Donc ce que je peux faire ici, c'est que euh, dans mon dossier src, je peux très bien créer un nouveau fichier. Donc dans un namespace qui sera validation, par exemple validation, je peux me créer ici un... Euh, validate... Euh, field Validations. Request Validation. Request Validation... Non. Field. On va dire ça, on va dire. Quoique. Attends. Non, c'est ça. On va dire request validator.php. Et donc, je vais me mettre dans le namespace euh, Twitter. Twitter validation. Et je vais me créer ma classe request validator. OK. Alors, cette classe, je sais d'emblée que. Il faudra, il faudra qu'elle possède, en fait, grosso merdo, cette méthode-là, validateFields. Je vais la prendre, je vais la couper d'ici et je vais l'amener dans mon request validator. Ok. Alors par contre, on va essayer de découpler les choses, on va essayer d'être un peu plus... Euh, comment dire On va essayer d'être un peu plus générique. Ici, on voit que je reçois une request. Et on voit que je fais la comparaison entre ce qui se passe dans la request et ce qui se passe dans quelque chose qu'on appelle Required Fields. Donc, ce que je me dis, c'est que est-ce que j'ai pas la possibilité... Alors, le... Alors, là, putain, ça va être dégueulasse. Là, je sens que je m'en vais sur quelque chose de dégueulasse, je sens que Fred, il va me tirer les oreilles, mais c'est pas grave. Ici, moi, ce que je propose, c'est que Validate Fields prenne une request et un arrêt qui soit... un arrêt qui soit les euh, Required Fields, ok Et du coup... Ici au lieu d'utiliser this required field, j'utiliserai required field, OK Et en fait, du coup cette fonction doit être publique. Cette fonction doit être publique. Et en fait, je me demande même je me demande même si je me fais pas trop chier. On va voir. Alors on est parti. On est parti ici dans mon tweet controller quand je vais vouloir valider je ne peux plus appeler this validate fields. Ce que je peux appeler à la place de ça, c'est d'abord, je vais pouvoir me créer un validateur. Donc, validator, c'est égal à un new request validator. OK. Et donc, ici, ce que je peux appeler, c'est validator/validate field. Je vais lui passer la request et je vais lui passer mes champs à valider. Et normalement, si je ne dis pas d'énormes conneries, tout va bien, tout marche bien. Ah, séparation des responsabilités, contrôleur, validation, modèle, accès, sauvegarde des données, avec un objet qui implémente ces deux interfaces, nous dit fred, il peut être utilisé dans ces deux contextes, mais en séparant les responsabilités. c'est un peu chiant, c'est juste une approche de réflexion, rien d'obligatoire. et du coup, ben, du coup, fred en fait dans, dans l'idéal, la prochaine fois, je te, fais, je te fais venir sur scène en fait. Euh, via webcam, euh, voilà, pour que tu puisses justement euh, euh, nous faire travailler sur tout ça, nous raconter de quoi on parle ici. Euh... Oui, tout le monde est d'accord. Mais de toute façon, les amis, si vous voulez voir du Fred, allez sur sa chaîne, abonnez-vous absolument, parce que c'est très très intéressant ce qu'il nous raconte. Il fait des conférences d'une très grande qualité et on découvre plein de trucs, même sans parler d'architecture, de PO, de quoi que ce soit, sur des petites fonctions de PHP. Donc voilà, abonnez-vous, regardez un peu ce qu'il nous raconte. Alors moi ici, les amis, ce que je me demande, et vous pouvez peut-être me confirmer comme dernière action, est-ce qu'on ne rendrait pas tout simplement le request validator comme une classe tout simplement statique Alors vous me direz, le problème d'en faire une classe où la méthode serait statique, c'est que du coup, on ne pourrait jamais se découpler de ce truc-là. Hum, moi, ce que je dirais, les amis, vous savez quoi, les amis, pour l'instant, c'est pas nécessaire mais pour le futur je peux d'ores et déjà le, le prendre en compte est-ce que vous êtes d'accord que mon, mon contrôleur ici a besoin pour travailler d'accord mon contrôleur ici a besoin pour travailler de faire d'un request validator donc on peut, que, on peut estimer que request validator ici est une dépendance directe de mon contrôleur moi ce que je vous propose c'est de mettre en place toujours hein, penser les principes qu'on a appris la dernière fois l'inversion de contrôle. Donc ce que je vous propose c'est de mettre en place du coup une injection de dépendance. C'est de dire mon contrôleur à un moment donné, il a besoin D'accord Il a besoin d'une classe request validator. OK. Et donc on va Faire en sorte que le développeur qui utilise ce contrôleur puisse avoir le contrôle de ce request validator en lui passant. Donc request validator, request validator. Et du coup, regardez, la personne qui appellera le contrôleur, qui va créer le contrôleur, lui passera un request validator. Pourquoi je fais ça Parce que pour l'instant, this request validator. Parce que pour l'instant, le request validator est une classe super simple. Il n'y a pas besoin de configuration particulière, et il n'y a rien de spécial. Mais un jour, le request validator va devenir une classe un peu plus compliquée, qui va avoir besoin de certaines configurations. Et donc si je laisse mon contrôleur le construire, bah, je pourrais très rapidement arriver à des problèmes. Donc ce que je veux, c'est inverser le contrôle. Et ce que je veux faire, c'est faire en sorte que les amis, c'est la personne qui crée le tweet contrôleur, qui va lui passer son modèle, mais aussi son request validator. Hop, ça, ça. Ok, parfait. Je vais lancer mes tests. Tout marche parfaitement bien. Eh bien, ça nous permet de faire une petite conclusion, de se dire au revoir vu qu'il est déjà midi. Euh, je vous remercie énormément d'avoir été là, même si c'était un peu, ben, comme c'était improvisé, on ne sait pas trop où on y va. La prochaine émission, j'essaierai de la préparer un peu mieux pour savoir où je vais exactement, mais rappelez-vous les concepts qu'on a appris. Pour l'instant, on n'a pas du tout fini cette série. Il reste encore à faire émerger un certain nombre de principes solides, mais je ne veux pas vous les donner, ces principes solides. Bon, vous pouvez les trouver partout, je ne veux pas vous les donner, je veux qu'on les fasse émerger, je veux qu'ils arrivent par des problématiques qu'on rencontre. Et donc ici, on voit bien que... On a réussi à avancer beaucoup. Et la nouvelle, on va dire vraiment... On va dire vraiment les, les nouveaux concepts qu'on a appris ici, c'est l'isolation des tests et notamment l'utilisation de la méthode setup pour pouvoir nettoyer ou teardown aussi éventuellement, mais pour pouvoir nettoyer avant chaque test, par exemple le post ou par exemple le get ou par exemple certaines choses. Et donc, euh, on a pu créer ici de nouvelles fonctionnalités. On a utilisé aussi les data providers de PHP Unit pour avoir cette fameuse fonction ici. Regardez, qui est très sympa finalement. Cette fameuse fonction. Qui va être appelé autant de fois que ce que PHP Unit va trouver de contenu dans ce tableau. Et pour ça, on utilise donc le fameux data provider. On explique, et grâce à data provider ici, le fait que tout simplement bah, cette fonction pour être appelée va avoir besoin de paramètres qui pourront être retrouvés dans les fameux euh, dans la méthode missing fields provider. Et ça, ça fait toujours plaisir. Euh, donc voilà moi j'ai l'impression qu'on est pas mal on a appris les data providers pour faire de l'appel en boucle sur un test avec différents cas possibles on a appris les setup et les teardown même si on n'a pas utilisé teardown ici et on a encore une fois euh, refactorisé notre code on a encore une fois aussi euh, ce qu'on a pu faire c'est euh, travailler sur l'injection euh, de dépendance donc l'inversion de contrôle et on a eu en plus Fred qui nous a donné ben pas que Fred il hein, y a eu Brice il y a eu Pierre il y a eu pas mal de gens ici qui nous ont donné des conseils qui nous ont aidé donc la prochaine fois, ce que je vous repose, c'est qu'on essaye d'avancer et on va avoir une tuile absolument énorme qui nous vient de la part de notre salaud de chef de projet. Alors là, c'est pas le client qui est un salaud, c'est le chef de projet. Vous allez voir, le chef de projet va nous dire que désormais on ne veut plus utiliser de base de données SQL, mais on veut stocker toutes les informations dans un fichier JSON. Et alors là, on aura envie de l'étrangler, puisque l'entièreté de notre projet ben, se base sur PDO, sur du MySQL, et du coup, que va nous dire le chef de projet alors que nous serions en train d'organiser une grève dans la cantine Eh bien, le chef de projet va dire que c'est quand même pas de sa faute si on est des billes et qu'on est nul en dev, parce que, selon lui, qui est bon, avec l'inversion de dépendance, avec l'abstraction, eh bien, ça ne devrait poser absolument aucun problème de passer de une base de données à une autre, et si on a des problèmes, c'est de notre faute à nous. Faites gaffe hein, quand vous allez emmerder un chef de projet <laughs> Merci Anis nice, euh, de de t'être abonné. Faites gaffe quand vous allez emmerder un chef de projet parce que ben plus rapidement que ce que vous le pensez, surtout s'il est bon, il va vous dire que c'est quand même de votre faute à vous si il y a une adhérence trop forte dans votre code et si ben vous n'arrivez pas à faire changer simplement de MySQL à JSON les choses. Alors donc effectivement, on se retrouvera la prochaine fois par rapport à tout ça je vous remercie encore une fois extrêmement les euh, ouais vous étiez entre à un moment donné entre 100 et 60 ça dépend à peu près hein, mais en tout cas je remercie les gens qui étaient là effectivement ça sera très probablement dans deux semaines peut-être la semaine prochaine merci à toi pierre pour la formation symphonie c'est très, très 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 gentil de m'avoir fait confiance et euh, du coup, bah, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve vous voyez, dans une semaine ou dans deux semaines pour retrouver ce deuxième épisode. N'oubliez pas que d'ici 10-15 minutes, le temps que je range un peu les choses, vous aurez le rediff de, la, de cette émission et vous aurez aussi le code que je viens de mettre en place, donc le code que je viens de mettre en place sur une branche, sur GitHub. Ah, on a bien, c'est bien, c'est bien donc, je vous remercie encore à tous, et n'oubliez pas, d'ici à ce qu'on se recroise sur YouTube, sur ma plateforme de formation, n'oubliez pas qu'à la dernière formation Symphonie 5 qui est sortie à différents packs, vous aurez des réductions, il y en a dans la description. D'ici à ce qu'on se retrouve aussi, pourquoi pas, ben, le jour où on se déconfine, dans la vie réelle, hein, c'est possible, hein, qui sait. N'oubliez pas, développez-vous bien, les amis. Allez, ciao!